partout, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey, Oh, ah, pardon, pardon, trou de balle. On l'a déjà braqué, on l'a déjà braqué. Tu es sérieux? Je braque le braqueur. Non, on fait le plan. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, connard? The Love Death. C'est quoi, c'est les bikers? Ouais, ouais. Je vous encule, les bikers. Tu as gagné combien sur le braquage? $20, 25. Tu veux pas sérieux, tu mens. Si, combien, t'as gagné combien là? Ah, moi? J'ai gagné, ouais. Bonjour, trou du cul. Voilà, jeune homme. Fais pas n'importe quoi avec ton pistolet. Oui, parfait, okay. Parfait. Je fais pas n'importe quoi. Vas-y, passe une bonne soirée. Au revoir, trou de balle. Belle voiture. Si, si. Belle à côté. Mais toi, tu es le groupe de bikers de Alderney? Ouais, Alderney. Ouais. Et pourquoi vous venez braquer dans notre zone? Parce qu'il y a rien chez nous, Alderney. Ben, va braquer au milieu. Au milieu, je sais pas, on est venu là. Descendard. Ouais, on est venu tranquille. Non, ouais, mais comment les gars, ça y a mais rien, c'est bon, il va donner $20 à ton pote pour que l'achète à boire et à manger là, y'a rien. Tiens, tiens. Putain, ils nous ont niqué notre épicerie. C'est bon, mais y'en a pas qu'une seule l'épicerie, vous pouvez aller autre part quand même. C'est notre zone. Ouais, ah, vous braquez les trucs de votre propre zone. Bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est pas sympa pour vos copains. Nous sommes des cognos. Non mais les vagos très gentils hein. D'ailleurs eux ils ont fait rendez-vous, ils ont soulevé des Rollins et on leur a fait croire qu'ils ont volé le Uzi de Rollins alors c'est nous on l'a. Répète. T'as vu les bikers, ils ont soulevé un Rollin. Oui. Grosse embrouille parce qu'il y a un Uzi qui a été perdu dans le rendez-vous. Et en fait c'est nous on l'a. Du coup ils veulent tous notre tête en fait. Tu as fait comment pour le voler? Bah Vertigo il a dit au gars que c'était les bikers qui l'avaient. Alors que c'était lui. Ok, tournez des gangs. Je crois qu'ils sont venus gentils avec nous dans le sud. Ici, comment ça s'appelle ici déjà? Oui, ben on va faire en sorte qu'ils arrêtent d'être gentils avec nous. Oh, y'a un mec sur le toit derrière. Oh, y'a Batman. Non, mais ici, je sais qu'il y a les GS9, il est retenu. Il y avait un mec en moto. Aïe! Merde! Oh, fais attention! Désolé, trou de cul! Tu es mort? Merde! Merde alors! Il est mort, le trou du cul! Ok, ok. Bon bah, désolé alors. Hein. Armano, tu vas bien? Ouais, ça va. Non, ça va pas là. Ça va pas? Le bras dans la barrière. Tu es mort? Oh, je suis presque mort. Ah, super. Mais c'est celui qui était aux barrières avec les meufs. Tu es une GS9? Ouais. Tu as un refait? Oh. Ok, tu pourras dire au refait un message de ma part, s'il te plaît? Ouais, il faut que je m'en rappelle. Merci. Tu lui diras, Miguel, racontez, il t'encule, connard. Avec effet de fumée. Merci frère pour les subs. Merci, message, je vous aime. Tu pourras? Merci. Tu lui dis, Miguel, racontez des vagos. Allez, ouvre l'audio! L'audio! Ah mais ils ont mis même un truc au-dessus là. Oui. Pourquoi tu parles tout seul Miguel? Il répond à l'autre derrière. Attends, mais... Et tu es con ou quoi Lorio? Est-ce que non? Il rentre. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Il peut rentrer. Il est avec moi. Ouais, bon, ouf. Bah, il veut me tuer. Parfait. Parfait, les hermano. Il fallait que je vous parle. Ouais, dis-moi. Ok, tenez-les. Attrapez-les. Allez, le deuxième. Tenez la chica, le deuxième biker de la soirée. Ramène la bombe de peinture, ramène. Mais la bombe de peinture, c'est pas quoi? Parfait. Mais elle est déjà jaune. Non, elle était noire. Là, parfait. Voilà. Je te jure que moi, je vais respecter ce que t'as fait, je vais rouler avec ça. Oui, tu vas rouler. Vous allez être un gang de bikers jaunes. Je vais prendre tous les bikers et je vais les teindre en jaune, vos couleurs. Putain, tu vas te faire chier. Oui. Mal, elle est pas mal. En plus, Tig il est pas là aujourd'hui donc. L'encul, Tig. Ça te met du suspense. Ça va toi?
Tu vois, ça va tranquille. Ça va, tu le prends pas trop mal pour ta bécane de merde. T'es d'où bien. En vrai. C'est faire à manger. En vrai, j'aime bien le jaune. Eh ben, non, je suis... il faut passer à l'étape supérieure alors s'il aime bien. Il faut lui faire ressortir de ses bons. Il faire le ménage. Et vous me faites... Non, je pense vraiment, je suis assez, je suis calme. Là. Tu es qui toi encore? Tu es une biker? Les enfants. Non, j'aime pas les enfants, je les mange. T'as forcé à sortir avec toi? Ouais. Elle a de l'humour, j'aime bien. Vous voulez pas la recruter en vagos? Non, ça va, elle est déjà en changement. Après, elle est biker, maintenant elle va venir. Je suis pas ouvert, je sais pas. Si, donnez-lui des vêtements, ça va être une. Va être jeune, toi. Oui, oui. Non, mais un groupe déjà en changement, ça va, non? Tiens. Attendez, mais les gars, chez moi, arrêtez de me changer comme ça, là. Là, parfait. Les gars, arrêtez là, laissez mon pantalon tranquille, je sais pas, un peu de décence. Y'est cache, ouais. Ne t'en fais pas. Ok, oui, mais ta culotte. Attends, moi aussi je cache. Non, mais ça change quand même pas. Oh là. Y'a pas un jeu. Je comprends même pas que vous mettez un pantalon bizarre là. Là, parfait, tu es une vagos maintenant. D'accord. Si, voilà, pas de problème. Pourquoi il est plus jeune le pantalon? Perfecto. Parce qu'il est noir. Non, sérieux, tu veux pas venir en vagos? Non, merci, ça va aller. Pourquoi? Non, parce que là, je vais. Bah, après, j'ai pas envie d'avoir deux groupes sur la gueule pour me tuer. Un, c'est suffisant. Mais non, mais nous, on te protège de fou, nous, hein? Ouais, grave. Allez, s'il te plaît. Non, genre là, attends. Je te fais un test de fou. Genre oui. Là, il y a un Sefside, il vient, il dit: ok, 25 000, tu me livres Mira. Tu dis quoi? Je te jure, je te livre pas si tu es une vagos. Promis. Ah, si je suis une vagos. Oui, bah oui, si tu es une vagos. Et puis quoi encore? Même 100 000. Même 100 000. Même 1 millionnes. On livre jamais les vagos, à part Lorio peut-être. Lui peut-être il va te livrer. Pourquoi Lorio? C'est un connard. Mais même, c'est pas livrer ils te mentent, ils vont pas te livrer un autre gang quand même. Bah je sais que c'était une safe side pour un autre gang. Mais attends, mais elle, toi de base tu es une ouvert? Non, une safe side. Une safe side. Et pourquoi? Elle s'est mariée de force avec lui. Non, j'ai donné une vie pour une vie. Ils voulaient tuer mon gars, bon ils l'ont tué quand même, mais du coup. Ouais, c'est cette histoire, on a volé le Uzi, mais pas leur dire. Explique bien, vas-y, raconte. En gros, si tu veux, pour sauvegarder mon gang de l'extinction... Ça s'appelle Mira, Sinaloa, si jamais. Au biker. Pour ton gang de l'extinction, tu t'es donné au biker? Ouais. Et pourquoi les bikers, ils t'ont récupéré? Parce que je suis une meuf grave cool. Bah, parce que je l'aime bien. Tu peux nous la donner? Non. Pourquoi? Parce que je l'aime bien, je la veux, je veux la garder. Quoi? Mignonne, mais non, allez, pour favor. Moi aussi, il y aura des choses. La prochaine, je vous la laisse. T'as dit quoi? La prochaine, je vous la laisse. Mais non, c'est pas la prochaine, pas obligatoirement une femme. Tu crois que les femmes, c'est des objets ou quoi? Ouais, tu crois, oh là, Ezra, tu crois les femmes? On va pas sur ce débat parce que. Tu crois qu'on est au schéma ou quoi? Non, je la garde celle-là. Quoi? Là, du coup, j'apprends des choses là, Ezra. Vas-y, continue, développe. Mais non, y'a rien, vas-y. Allez, prête-la nous, s'il te plaît. Prête. Bon, vous voulez que je vous la prête pour la soirée? Tu devais devenir une vagos pour la soirée? Ouais, si tu veux. Vas-y, parfait. Vas-y, carré. Okay. Bon, merci pour la peinture gratuite. Mais tu reviens me chercher après quand même. Oui, je viens te chercher après. Ok, mais commence à parler avec un accent. Ah, si, c'est pas problème. Allô? Ok, parle sans accent. Ok. C'était pas ouf. Ok, attends, vas-y, fais une longue phrase avec l'accent. Si, je te fais une longue phrase avec l'accent, pourquoi y'a quoi? Elle parle mieux que Faudry. Vous préférez... Ah, c'est la verdad, hein? C'est la verdad. Dis notre phrase. Si je te dis notre phrase, maintenant avec l'accent, pourquoi y'a quoi? I am bien. Sousseur. Tractopel. Tractopel. Lori, on a recruté une nouvelle vagos. Elle est vraiment avec nous? Oui, ça y est, c'est une vagos. Non, mais juste pour une soirée. Oui, elle fait le stage. Elle fait le stage d'observation. Voilà, je fais un stage d'observation. Du coup, on fait quoi? On va braquer. On va braquer. Ouais, c'est vrai, on va faire un braquage. On va faire le plus gros braquage de tous les temps. Ok. Non, vraiment, par contre, je suis très sincère. Vraiment, moi aussi, je suis sérieux. Ah oui, je sais. Je suis sérieux. Ah ouais? Mais tu crois que ça me fait pas? On va plus faire une petite supérette, ça sert à rien. On va faire une flica. Ah oui, donc vous voulez qu'on meure en fait? Non, on veut vraiment être plein aux as. Ok, d'accord. Attends, qui c'est? Attends, Lorio. Quoi? Le plan du braquage, il sort de la tête de qui?
Peut-être du mien, peut-être sais pas. Oh là là, on est mort, on est mort. Oh là là, là, ça me rappelle des souvenirs que j'ai pas envie de me rappeler. Le méga plan, le méga. Oui, oui, je me rappelle. Je me rappelle de ce plan et je me rappelle. Avec les bateaux, les voitures, ça avait pas marché du tout. Non, le plan. Celui qui y en a, il devait partir en, fait, en parachute sur les bateaux. Mais non, pas de parachute sur des bateaux. Je me rappelle, Lorio, je me rappelle. Je me rappelle de ce plan, mais j'ai pas envie de me rappeler de ce plan que tu vas faire ce soir dans un an, de, tu vois. Rappelez-vous de celui que j'ai fait avec les voitures qui se ressemblaient. Non, je me rappelle pas. Si, c'est, si, tu te souviens, Louis. Ah bon? Oui, avec le hangar dans le port. Toutes les voitures, elles étaient rouges. On est rentré et on les a tous fumées. Oui, tu as fait ça sur Flashland, peut-être pas ici, Herman. Oh. Non, mais c'est vrai. Aïe. Nous, on n'a jamais fait ça, Herman. Je te jure qu'on l'a fait. Ah oui? Il a dit l'éther. Oui. Ok, bon, je te crois alors, mais je m'en rappelle pas. Ok, ok, très bien. Est-ce que quelqu'un il a un plan? Peut-être. Non, non, c'est bon. Moi, je veux rendre. Moi, Hermano, Lorio, à la vie, à la mort, je te suis. Même si. Mais on... attends, mais j'ai vraiment pas de plan encore. Nous, on va faire un plan. Miguel, il va le niquer. Je connais pas l'hyperticité. Quelqu'un nous observe, je le sens. Mon Spider-Sense s'affole. Quoi? Ok, vous êtes chaud. Sinon, on y va. Pourquoi tu as plus d'accent, toi? Ah, mais pardon, excuse-moi. Et vous êtes chaud, du coup, on y va? Quoi, cet accent? On parle pas. Les Tunisiennes, quoi. Il était approximatif. On y va. On knappe le chien d'un. C'est Lorio qui fait le plan, c'est pas toi, connard. Ah, oui, pardon. Oui, mais attends, on attend le réfé, on attend tout le monde tout d'abord. Bah, il est celui-là, il est celui-là. Ah, oui, c'est d'accord. Lui, le réfé. Moi, je suis numéro 2, hein, si jamais. Si. Ok, d'accord. Non, c'est Guerrero numéro 2. C'est vrai, toi, t'es numéro 2. Jamais de la vie, jamais de la vie, je suis numéro 2. Ça a toujours été et ça a toujours. Oui, mais Guerrero, c'était à l'époque. Maintenant, il est finito. Guerrero, maintenant, c'est moi le numéro 2. C'est Guerrero. D'accord, on va faire un combat à la vie, à la mort. Guerrero et moi, celui qui survit, ce sera le numéro 2. Exactement, ok. D'accord. Mais non, dis pas ça. D'accord. Mais non, il triche, lui. Ben, bien sûr. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent. On a perdu Guerrero. Oh, Pierre, alors, fais un combat avec ton numéro, toi. T'es numéro 3. Fais un combat. Je sais pas. Quand tu twerk, Rodri. Pardon, c'est mon Spider-Sense. Quoi? Pourquoi à chaque fois vous dites quoi? Ah, pardon. Au pire, on met le feu à la flica, on arrive en pompier. Oh, c'est pas non, vraiment, le problème, c'est que je connais pas la Liberty City. Le Santos, je connais, mais Liberty, mais qui je connais. Qui pas connaît trop. Liberty à permis? Bon, Lorio, je peux t'avoir du matériel. Le matériel, il faut une perceuse. Ça, ouais, non, mais quand je te parle non, de matériel, moi je te parle de matériel. Genre. Genre, navette spatiale, des trucs comme ça. Des voitures qui volent. Tu vois, t'abuses, ça y est, tu vois, on va plus faire de Donc on y va, on y va, on drop en Deluxo. Des pistolets laser. Vous voulez pas on kidnappe quelqu'un et on le donne au couillos? Des jetpacks? Quoi? C'est quoi ce truc? Je sais pas, on prend quelqu'un, on le met à une zone et on le livre au couillos. On fait un braquage en karting. Non, 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 on va faire une flica là, c'est pas une. C'est pas une supérette là. Oui, oui, donc faut être un peu sérieux quand même, trou de balle de Louis de Baird. Et moi, c'est pour le plan d'évasion. Ouais, il peut trouver. On va faire un petit tour ou d'avion de chasse bien armé. Ah, il faut pas être sérieux, trou de balle de merde, hein. M'a parlé d'un avion de chasse. Bah, ben, quoi, j'ai des contacts. Ouais. Donc, tu veux pas un karting, mais tu veux bien un avion de chasse. Bah, ben, pourquoi pas, oui. Tu veux pas ça? Oh là là. Non, il est pas jaune, t'as pas le droit, c'est pas jaune. Descends dans la voiture. Oui, elle est fait. Je cherche des véhicules pour le braquage de ce soir. Rodri. Ça. Oh. Non, descends dans la voiture. Bouger le truc derrière. Il y a des missiles nucléaires. Mais je crois que tu peux tirer avec, ne te le fais pas. Le matériel qu'on va boire besoin, c'est des... comment s'appellent les voitures super rapides, là? Ferme-la, vite fait. Ça. Ça. Non, je vais l'enculer. La TMA, je vais l'utiliser dessus. Miguel, viens là! Quoi, Vertugo? Vertugo! Yes. Oui. Miguel! Oui, Vertugo! Arrête! On a fait des bêtises! Mira, on va se faire niquer nos mères! Mira bien, Mira bien! Mira! Guez! Apparemment. Salut, Vertugo! Soy Rayman! Pourquoi tu as un fond vert dans le ventre? Soy Rayman! Déjà, toi, qu'est-ce que tu fais, torse nu? Tu te crois où? Il voulait te montrer les muscles, chéfé. Les muscles, t'étais où là depuis quelques jours? Alors, vous étiez. Mais Rodri, tu sais que tu peux avoir. Tu veux pas des gros bras, Rodri?
Je parle, Miguel. Tu peux avoir des gogoles. Je parle. Pardon. Ouh, tu es en mode caliente, d'accord. Ouh. Vous étiez où? À la Rochelle. Moi, j'étais à Amsterdam. Moi, il était là hier, j'ai vu ma chica. Ma bite était là. Lui, Amsterdam, ma grosse bite. Ma grosse bite était là. T'es pas crassé. Attends, toi. Donc, toi, t'es un vagos, t'es une pute. C'est quoi, tu vas voir les meufs, t'es un bandeur? Eh, tu vois, c'est ça, c'est Miguel. J'ai vendu la cocaïne, tiens. C'est moi, j'ai tout vendu la cocaïne, c'est moi qui ai vendu 600 kilos. Tiens. Arrête de mentir, c'est moi qui ai vendu 600 kilos. Pinche pendejo, tu me prends pour un con? Hein? Et ça, c'est quoi? Tiens, je te jette à la gueule tes 1000$, tu m'as pris pour qui là? Tu l'as déjà jeté à la gueule. Réfé, je vais te dire la vérité. Ta gueule, toi. Je vais te dire la vérité. Ta gueule. D'accord. Mais je vais te dire la vérité, Réfé. Écoute, tu me recoupes encore une fois la parole, je t'en mets dans la tête. Oh, pardon. Pas coupard. Donc toi, hier, t'étais là, mais t'as avec une chica, ça hein? Oui, boss. Oui, boss. Mais tu vas retourner avec ta chica ce soir. Après, allez, dégage. Non. Dégage. Non, c'est où t'es, pas t'es, ta gueule. Bouge de là, je m'en bats les couilles. Rodri, allez, dégage. T'es où, toi? Moi? Ah non, moi? Toi, j'arrive, toi. Attends, moi, Charente Maritime, la Lochère. Je connais la... pas. Rochelle. Comment on fait pour... Pourquoi tu m'as pas prévenu? Slash que salut. Ah ouais, c'est bon, je me rappelle. C'était très tard et il était malade. Et alors? Sur Miguel, il m'avait prévenu qu'il devait partir deux jours. Il avait prévenu. Pourquoi toi tu m'as pas prévenu? Ah, il est prévenu, Miguel. Miguel aurait dû te prévenir. Je m'en bats les couilles. C'est qui ton réfé? C'est qui son réfé? C'est moi ou c'est Miguel? Ta gueule, Miguel. Ta gueule, Miguel. Il n'y a pas le numéro du réfé, à ce qui paraît. Pas le numéro. Pas le numéro. Tu m'aurais demandé, je t'aurais donné. Mais il te l'a dit, je pensais que tu étais le non, tu m'as pas demandé, c'est pas vrai, il m'a rien dit. Écoute, déjà, tu vas te changer là, c'est quoi cet accoutrement? Oui, déjà, tu vas te changer. Regarde, on est où là? On voit ton caleçon. Tu crois quoi? C'est bon. Et toi, tu vas faire un truc, toi. Un truc, ouais. Laisse-moi réfléchir à un truc que tu vas faire, que tu vas bien galérer. Tu vas bien galérer, toi, tu vas voir. Si tu veux pas, je te mets une balle dans la tête. Salope. Pourquoi, Riffé? Pourquoi? Parce que t'es pas là. Vas-y, allez, dégage. Il était en vacances. Dégage. Putain. Les pequeños, toujours, il faut les calmer, Riffé. Bon alors, ça va, tout va bien? T'étais où, toi? Oui, moi? J'étais parti voir à Amsterdam. Tu m'avais dit deux jours. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Lundi, samedi soir, je suis pas là. Vendredi soir, lundi, je suis là. Oui, hein? C'est vrai. Et pendant 4 jours, je tournais tout seul. Oui. Je suis tiré sur l'ouvert tout seul. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. T'as vu, moi, je suis pas comme eux. Moi, je dis pas. T'as vu? Écoute, c'est la vérité. Si tu me ramènes pas 25 000 dollars. 25 000? Ouais. Mais tout est fou, tu crois? Je suis ta puta? Non, non. Mais bien sûr, t'es ma pute. De quoi je suis ta puta? Mais attends, tu veux ta que... Ta voix, ta grand-mère, ta voix. Mais j'en sais rien, ça me fait au hasard. Vas-y, répète. Mais je suis millionnaire, Vertugo. Comment ça, t'es millionnaire? Moi, je fais des trucs de fou pendant 2-3 jours, là, parce que t'es pas là pour m'armer, et tu me dis que t'es millionnaire? Oui. Bah donne-moi 25 000 dollars. Non. Quoi, non? Bah non. Si. Non. Je tire? Oui, yes, we are. Je tire? Non. Tu contre braque? Oui. Ah ouais? Oui. Personne n'a les couilles de tirer de toute façon. Il a contre-braqué le chef. Salut gâteau. Ça va. Mais non, j'ai contre-braqué. Mais Vertugo, moi je suis millionnaire. Moi, j'ai fait un braquage, tu vois, à l'époque fut un temps ici. J'ai fait un braquage de braquage de la plus grande banque du monde. Ah mais je me suis fait arrêter. Merde, c'est vrai. Je suis pas millionnaire en fait. Voilà. Soir, je veux 25 000 dollars. D'accord. Justement, on va faire le blackage. On aura 25 000 dollars. On t'a pas dit, mais on oui, fait un flicard. C'est vrai, j'ai pris un bus. Putain, merde. Vous avez vu l'armement qu'on a là maintenant ou pas? Oui. oui, j'ai vu, oui, c'est bien. Ah. Ok. Elle est où, Camélia? Elle est partie avec toi, elle est jamais revenue. Elle est avec Tigré. Avec Tigré? Ouais. T'as un plan, Riffé? J'ai pas de plan. Non, c'est Lorio qui va faire le plan du braquage. Non, mais je ne connais pas les Lorio Taliban. Ah. Tu faisais quoi derrière moi, toi? T'es sur Discord? C'est vrai que Lorio, ton setup, il est vraiment joyeux. Touchez pas trop à mon setup, attention, j'ai pas mis le mot de passe. Il faut pas toucher. Vertutu, Lorio, il va nous faire un plan extravagant comme à l'ancienne pour qu'on fasse un braquage. C'est Guero qui faisait les plans, normalement. Oui, mais Guero, il est pas là. Si, il arrive, il va pas tarder. Qui arrive? Guero. C'est un plan incroyable. On monte dans la voiture, on se barre et on fait une course poursuite, c'est nul. Il est où, Guero? Si. Rodri, il se posait la question. Mais attention, ne t'énerve pas. Hein. Il m'a dit, le chef, pourquoi il a un caca sur le visage?
Non, c'est pas vrai. Je lui découpe la gorge. Y'a rien dit. Merci Malik. Quoi, vous voulez me pousser à bout là, les deux là? Non, pas les deux. Non, pas les deux, juste Rodri. Rodri. Juste Rodri, Rodri. Il ment. Mais c'est vrai, c'est vrai que je t'ai jamais posé la question de pourquoi tu as du caca sur la tête. C'est vrai, pourquoi tu as du caca? C'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît. Et tu m'as jamais dit pourquoi tu as du caca sur la tête. Vertigo, on te brûle de caca. La nouvelle Vagos pour ce soir. Brûlure, ouais. C'est Mira. Et ça, une nouvelle Vagos pour ce soir. Oui, c'est moi qui l'ai recruté. Venir, on va chercher un plan avec Gato. C'est mon mercato. Avec qui? Viens, Gato. Vas-y, parle-moi. Si, tranquillo, ça va ou pas? Attends. Mais toi, t'es pas la meuf des bikers? Si, t'es un bluffeur, t'as même pas de mais ils m'ont abandonné ce soir. Prends l'accent, connasse. Oh, pardon, pas toi, connasse. Pardon. Tout bien? Oui, tout bien. Tranquille. Si, il vient. Tu as vu l'accent? Ça va? Mira. Venga. Mira. C'est un très beau prénom, Mira. C'est plus Mira, c'est Petit Pélican. T'as compris? Allez, bonne! C'est. J'ai fait Miguel! Oui! C'est le Petit Pélican! C'est. ODD! Mais non! Non! Tu m'aurais dit! C'est plus Petit Pélican, c'est. Mou, la meilleure amie de mon tonton! Je comprends rien à ce qu'il dit en plus, là, sérieux! Là, j'aurais dit oui! Mais là, non! Je vous tiens au courant, le Hoover, il nous cherche activement! Pourquoi encore? Ah ouais, pourquoi? Parce que je l'ai retiré dessus, ils m'ont dit je vais t'éteindre, je l'ai encore mais pourquoi, tiré dessus. Pourquoi tu fais les problèmes avec les Hoovers? C'est des traders de merde, ils sont pas dans la même catégorie que nous. Ben parce que regarde, ils ont essayé d'attaquer le quartier, ils ont vu le quartier, ils ont dit c'est bon, on abandonne. Y'a plein d'autres groupes avec qui on peut s'amuser, toi tu veux faire avec qui, les Hoovers? Dis-moi qui tout le monde, moi. Avec les Trinitarios, je les ai enculés. Mais c'est les SMM en vrai. On s'est battu. Mais les SMM, ils sont. Ben ils cherchent pas, tu vois. Ils sont modélisés les SMS, les SMM. Eh, ferme ton gueule. On rappelle avec Enan, ici on a tout des gens. Et tu te rappelles quand j'étais ici que t'as fait Maritek sous l'axe? Oui, je m'en rappelle. Et que timing? Enfin, je m'en rappelle pas, mais je m'en rappelle que tu me l'as dit, oui. Bon, les anecdotes, tout ça. Là. Mais faut qu'on aille au métro qui soit à la sortie. Pas ici. Et c'est pas grave, non, c'est juste pour voir le timing. On va voir tous les commentaires passent. Là, y'en a un qui arrive, y'en a un qui arrive. Dans ce sens-là ou dans l'autre? J'espère qu'il arrive pas en haut. Il est où? Regarde le GPS, regarde le GPS. Je crois qu'il est en haut. Vite, vite, vite. Courez! Regarde, ils vont pas tricher pour rentrer. T'as vu l'autre le tricheur là-bas? Moi j'ai pas triché, moi, t'as vu? J'ai pas triché. En fait, le problème c'est que si. Oh les gars, si on fait. Oh, fille, mais pourquoi crier, frère? M'a fait trop peur. Ok, il faut vraiment compter. Dites-nous si vous avez des problèmes et tout, genre. Mais normalement. Évitez juste de faire quelque chose dans le métro. Oh, on est mort. Ils vont se rentrer dedans. Non, ils s'arrêtent. Ils vont mourir. Non. Oh. Mais voilà, c'est bien fait, vous inquiétez pas. En fait, c'est plus chaud. Ouais, juste évitez de faire quelque chose. C'est un petit peu long quand même. C'est-à-dire quelque chose. Dans le métro, on fait quoi? Tu restes debout, tu bouges plus. Attends, mais quand le métro il va descendre, ensuite on fait comment pour rentrer sans voiture? Bah, il faudra mettre des voitures à la. Oui, à la sortie du métro, avec on va des descendre. Conducteurs et voilà, tout. Parfait. Ouais, faudrait qu'il y ait déjà des conducteurs en bas, quoi. Les Hermano, attendez, mais est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes dans un métro quand même là, est-ce qu'on peut souligner ça? Mais j'ai peur quand même, mais j'ai peur oui, quand même. Oui, c'est quelque chose de normal. Tu n'as jamais vu de métro dans quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est quand même. Il n'y a pas de porte dans ce métro. C'est quand même. Attends, t'as bien entendu voir l'arrêt, comment t'as dit? Allez, je chronomètre. 3, 5, 6, 24, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est sorti de la prison là. 24, tu m'as bloqué. Il faut qu'on verrouille les portes comme ça. Rentrez pas, voyance de merde, connard. 28, 29. Oh, le métro derrière. De toute façon, on le voit ça en vrai. Je Ah merde. Ok, de toute façon, on voit qu'il faut être devant le métro et et quand il y a un autre métro qui arrive, ça veut dire qu'il va décoller. Rodri, viens devant moi, Hermano. Oui, mais ça dit pas le timing, ça. Je suis au-dessus du métro. Tu crois que tu es Spider-Man ou quoi, connard? Bah oui, regarde ce qu'il y a, Hermano. Et la meuf, elle est où? Mets-toi devant moi. La meuf, elle est pas.
Après, faut savoir quand on descend en fait. Mais là, on descend là, on est au Bronx là. Putain, mais je sais même pas comment elle s'appelle. Mira. J'espère que c'est elle. C'est Mira. Ah, mais c'est pas elle. Tu es de la gauche. Mais les gars, mais. Merde, comment je te ramène là-haut? Oh mon dieu. Mais putain, en plus, ils ont tous eu mal à la tête là-bas. Je vais péter un câble. Oh non, sérieux. Vas-y, fais un. C'est pas facile. Fais un chicar, je m'en occupe. Comment YouTube. Oh bordel, ça je peux pas la. Tu peux pas la péter. Oh, lui il est fort quand il y a des chicas. Le métro! Non, les gars! J'étais dans. Vas-y, je suis blessé! Je suis très blessé! Si, je fais mourir! Je suis vraiment très blessé! Ça m'a pas fait mal. Ok, attendez! Il est. Chronomètre! Combien de temps le métro il arrive là, le prochain? Je chronomètre. Suis très blessé, clin d'œil, Miguel. Mais ok, oui, bah, tu iras à l'hôpital, mais clin d'œil. Mais là, y'a pas le deuxième là. Si, mais y'a le deuxième. Qui pas... Ok, oh, attends. Si, j'ai chronométré. J'ai lancé le chronomètre, je pense que j'ai lancé avec genre 7 secondes de retard. Maintenant, viens. Non, j'avoue, il a raison, l'autre métro il a pas poussé l'ancien. Ouais. Ok. Eh, hey, Guez, mets-toi là. Attends, mais on peut avoir un tracé genre du. Non, Miguel, je suis vraiment très blessé. Mais oui, bah, hermano, c'est la vie. Bah oui, on l'a. Tu es blessé, tu vas aller à l'hôpital. Bah, non, tu m'as juste mis un coup de poing. Aïe, tu m'en as mis une deuxième. Arrête de me frapper moi, putain. Raté. C'est Mira, on m'a dit c'est Mira. Je crois que c'est M-I-G-R-A. Tiens, je te soigne, tiens. Quoi, c'est ça, je crois. Miguel. Ah, comment ça que je l'ai mis à l'air. Comment ta meuf, Rodriguez. Quoi? Rodriguez, mets en face de moi. Laquelle? Ah, Mira. Non, merde, les gars. Rodriguez, on est putain. Quoi? Mets en face de moi. Regarde, j'ai fini. Ah. J'ai un finisher maintenant. Finisher? Si, regardez. Vas-y, finish-le. Vas-y, finish-nous. Ok, c'est bon. Oh, non, non, c'est bon. Le métro, ça fait déjà 2 minutes qu'il est pas Écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit rester dans le métro et nous dire où il arrive et tout. Mais on le voit où il arrive, hein. Ouais, mais moi je vois pas, perso. Et, il arrive là, il arrive. Regarde, il arrive du sud, il arrive du sud. Ah ouais? Mais j'ai l'impression qu'il y a des stations qui sont moins bien desservies que d'autres. En fait, en gros, le problème. Regarde le métro, il y en a. Genre, là, il y en a 4 qui sont à Manhattan. Alors qu'il y en a que 1 qui est dans le Queens. Ça veut dire qu'il tourne. Et c'est pas. On peut pas chronométrer en fait. Je pense que c'est un peu random. Tu vois ce que je veux dire? Bah, justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour nous dire où il arrive et tout. Mais on le voit où il arrive, on le voit où il arrive, ouais, connard. Ouais, non, mais pour dire quand il arrive et. Et t'as compris, pour pas ouais. qu'il casse le métro. Il y en a qui arrivent. Pour le moment, ça fait exactement 2 minutes qu'il est parti, l'autre. Pelciel. Ah, c'est bon. Ouais. Comment tu t'appelles? T'es où toi encore, là? Mira. T'es où, Mira? J'ai regardé Mira, c'était une poillasse. Ah bah là, j'ai été rendu aux voitures, je me suis dit au moins, il va le retrouver là-bas. Ah ouais, t'étais retourné en voiture. Ouais. C'est plus Mira, c'est Petit Pélican. Ah oui, c'est vrai. Ah. Non, ouais. Non, t'as vu plus jamais. Ah, ça va Mira, pas t'as de vu plus jamais des trucs comme ça. Ah, métro. Non, il est là, le métro, il est là. C'est plus Mira, c'est... Regarde. Ah. Ah ouais, non, mais plus jamais. Va le concentrer, on va braquer une flica. C'est plus Mira, c'est Rami. Ah, il est champion du monde pour rien. Ah, apparemment. Apparemment pas trop. Ok, mais alors, je me mets à l'avant parce que là... Non, oh, lui il est parti vite, lui! Il est parti vite! Ah, il est parti ultra vite! Ok, je pense que ça va être un peu compliqué, mais c'est exactement ce qu'on veut faire, je pense. Allo? Bah, c'est le but que ça soit compliqué en vrai. En vrai, si oui. Nous-mêmes ça nous surprend, ça surprendra aussi les poyos. Ouais, allo? Chad. Merde, oula! Dis-moi, tu serais pas conduire un métro par pur hasard? Conduire un métro? Mais personne sait conduire des métros. Conduire un métro, pendejo. Personne sait, personne. Bon, on va dans le Bronx, là. Quoi? Ah non. On va où? À l'aéroport. Oui? Oui? Aéro. Ok, je note l'information. C'est bon, écoute, je... Ok, pas de problème. Vas-y, on peut faire ça. Vas-y, muy bien, je te rappelle. Vas-y. Merci, Vodays. Oh, l'ambiance. Tu rappelles le russe là qui est venu pour la manifestation? Non. Eh ben, il nous a donné plein de missions à faire, tu vois. Et là, il m'a dit qu'il peut faire le médecin infiltré. Si c'est vrai qu'on dirait vraiment une tache de caca.
Hey, je vais t'enculer, Miguel. Non, non, mais depuis, Mira, depuis qu'il l'a dit, Rodri, je vois que ça maintenant. Et Mira l'a dit, c'était une tâche de règles. Je bouffe ces règles. Oh, c'est des règles bizarres quand même, hein, pour que ça soit aussi noir. Wow. C'est pas aussi noir. C'est plus des règles. Des règles. C'est des règles. C'est plus des règles, c'est des équerres, là, carrément, c'est fou. C'est plus des équerres, c'est... Il reste quoi? Des rapporteurs. Des compas, des rapporteurs, des... Tu veux. Ah, mais il y a Guerreau de l'autre côté, là-bas. Tous de l'autre côté, je crois. Ouais, les gars. Ouais, Guerreau. Je sais pas très bien, là. Attends, il y avait les récup. Restez ici, j'arrive. Allez, c'est parti. Du coup, on fait quoi? On prend quoi, là? On va pas monter avec les otages, donc une voiture. Là. Non, mais on est un deuxième, c'est pas grave. Allez, grimpez. Je vais prendre la primo avec les otages. Oui, et le 4x4. Grimpe, petit crapaud. Alors, les otages, vous montez là. Allez. On vient, les trois otages, les autres vous montrez avec Miguel. Et Lazaro dans le coffre. Je peux en prendre un dans le coffre, oui. Vas-y, monte. Carmen monte là. Et Lazaro va dans le coffre. Oui, dans le coffre, j'ai de la place. Oh, dans le coffre, dans le coffre. Dans le coffre, vas-y, attends. Dans le coffre, pourquoi vous faites ça? Vous êtes gentil, vous? Bah oui. Vas-y. Parfait. De la money, je comprends. On va où? On va au repère secret où on a caché les voitures. D'accord. Prendre des bonbons. Tu aimes bien notre D'accord. voiture, petit crapaud? T'as dit quoi? Tu aimes bien notre voiture? J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu aimes bien notre voiture? Oui, mais je préfère la voiture de Varco. Oui, mais c'est une Sultan. Bah, j'aime pas la... Tu es sérieuse? Je préfère ma moto. T'as une moto, toi? C'est une voiture légendaire! Une moto. Ah bon? Comment ça, t'as une moto? Comme les Pokémon légendaires? Mais ouais, c'est que des agnasses aujourd'hui ou quoi? 43 ans, merci Only. Mais pourquoi il y a une petite fille avec nous? C'est un otage. C'est Mary. Espèce de petit toucheur d'enfant, Rodri. Mais tu es sérieux? Dis pas ça, connard. Mais non, pas Rodri, pas Wati. Non, Rodri. Non, même. C'est qui, Wati? Même. Ah, bah... C'est pas grave, juste tu annules. Qu'est-ce qu'il insinue là? Je contrôle Z. Bref. Non, mais il est faux ce connard. Ah, ils nous suivent ou pas? Parfait. Par contre, tu vois, la prochaine fois que tu ramènes des gens. 2, 4, 5, 6. Oh la dernière. Oh l'Orio. Tu viens, Mary. Venez, je vous donne les tenues. L'Orio bouge pas. Coucou l'Orio. Ah, y'a la. Coucou, ça va Marie? Ça va Marie? J'ai mal à la tête. Tiens, un truc. Ah. Gâteau. Oh, gâteau, j'arrive. Ouais, j'arrive. Voilà Marie, dis-le. Tiens, descends, Vertu. C'est mérité. Mais je suis chauve. Attends. Oui. Mais on s'en fout. Lazaro, ça va? Bah, ça va. Marie, va avec tes copains d'otage, s'il te plaît, connard. T'étais où deux jours là, tu m'as manqué? Eh Marie, va là-bas, je vais mettre deux baffes. Donne. Viens Marie, viens. Arrête de pleurer pour une tenue, ta sœur. Eh, il est où Vertugo? Je l'ai pas. Si, Tiki et Béré. On sait pas? C'est qui prend les rênes quand il est pas là? Mais si, il est là-bas, en survette. Et le but, c'est pas de faire un défilé, connard. En fait, là, il va avoir deux véhicules. Attends. Bon, c'est quoi les directifs, là? Bah, on s'est réunis tous. Voilà, et les otages, mettez-vous contre le mur là-bas, là. D'accord. Tous là-bas contre le mur. Tout le monde. Tu veux un béret au cas où ça marche? Essaye, on sait jamais. Et vous regardez le mur, ok? D'accord. Ouais. Tu connais Camélia? Ah, c'est qui? Bref. Ah, En fait, faudrait que un seul véhicule il aille à la banque. Tu vois, il n'y a qu'un véhicule qui aille à la banque. Avec 3 ou maximum 4 personnes. Parce que bon, sinon on va pas mettre dans le coffre. Parce que en fait, le reste des véhicules, ils vont rester là. Nous, on va arriver. Enfin, vous connaissez, après, c'est tout con. On arrive, boum, il y a un véhicule qui commence à partir. Nous, on part derrière. Et pourquoi elle n'a pas tenu, elle? Et deux derrière, mais c'est tout. Et pourquoi elle n'a pas tenu? Il va faire une tenue. Ah, putain, parce mais... que pour les filles, ça, c'est pas pareil que nous. T'as vu, j'en ai pris en plus, mais si je lui donne, ça va pas faire pareil. Regarde, ça, là. Elle va en faire une. Elle va en faire une. Ouais, bah, on va faire une vite. J'ai le temps de faire pipi. Je suis stressé, ouais. J'ai besoin de faire pipi avant des braquages. Vas-y, fais pipi, vas-y. Merci. Va dans un coin. Bon. Regarde, si je lui donne la tenue, ça fait quoi? Bon. T'as pas ton béret, Lazaro? Bon. Si, je l'ai. Oh là là. Bon. Comme ça, Lazaro.
Les gars, vous dites des prénoms, vous êtes décagoulés devant les otages. Je sais pas, j'ai l'impression d'être avec des bras cassés. Bref, Lazaro, une voiture. Louis, voiture ou banque? En fait, j'ai pas compris, vous voulez... on fait pas le métro? Non. Préfet, c'est simple. Tu sais que personne n'est au courant alors qu'on fait pas le métro. Mais non, mais c'est pour ça, écoutez-moi. En fait, là, c'est simple. Il y a, ici, en fait, ça va, on va juste. Vous avez vu qu'on a les mêmes véhicules. Si on a les mêmes véhicules, c'est pour se confondre quand on va rentrer. Quand le véhicule de la banque va rentrer dans le parking, on va ressortir 5 véhicules. Donc là, ils vont être perdus. On peut ressortir par an ou pas? Ouais, on peut ressortir, on a regardé avec le préfet. En fait, c'est simple. Là, vu qu'on est 10, il faudrait 3 véhicules de 2. Ici, je parle, ici dans le parking. 3 véhicules de 2 plus 1 véhicule de 1. Et 3 dans la banque. Je conduis ici. 3 ou 4 dans la banque, grand maximum. Ben toi, le préfet, Miguel et... Et un dernier, Guru. N'importe. Pas Guru. L'autre connard, là, qui fait que pleurer pour la tenue. Qui ça? Guez? Non. Rodri? Non. J'ai jamais pleuré, moi. Le M. Non, mais attends, je vais te dire qui va venir avec moi. Oublie son blage. Attends, non, mais je vais te dire, moi. Mais non. Toi, Miguel, Masta et... Gâteau. Gâteau. Il va te faire enculer. L'Orio. C'est bon, pour tout le monde, ça vous dérange pas. C'est ça, c'est venu? Elle n'est pas, en fait. Elle est pas bien, ma tenue. Il déshabille, tiens, prends des habits. Non, dis pas que l'autre, il est parti changer. Parce que ma mère, il vient pas avec nous au braquage s'il est parti changer. Gâteau, il y a moyen qu'il soit parti changer. Vas-y, appelle le préviens. Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas possible. Tu lui dis s'il se change, il fait pas le braquage. Pas, et tout le temps, il râle. Qui ça? Gâteau. Pourquoi il aime pas la tenue? Merci de Chiland. Merci, mon ref. Il arrive en moto. Quelqu'un, bandana en plus. Il faudrait des bandanas. Vas-y, prends la moto. Vas-y. Il est beau ce mur? Non, on joue un des trois soleils. Non, il est beau. On joue un des trois soleils. Oui, vas-y. Oui, 1, 2, 3, soleil. Ça va bouger. Tiens, j'ai de la thune. Ah, mais c'est. Mais là, c'est vous qui avancez, vous êtes con ou quoi? Ah, d'accord. Mais attends, j'ai pas dit 1, 2, 3, soleil. Mais comment t'as pu voir ça? Yo, regarde, derrière moi, pardon. Ok, vous êtes prêtes? Oui. 1, 2, 3, soleil. Tu as éliminé Marie? Ouais. Mais j'ai pas fait prêt. 1, 2, 3, soleil. Attends, on en prend combien? 1, 2... 1, 2... 3 soleil. J'arrive, moi. Vous avez voulu bébé zard? Mais non, tu vas pas dire... Retournez tous au poulailler. Mais tu vas pas dire... Retournez tous au poulailler. Retournez tous. Ça, tu voulais faire un jeu, même toi, tu peux jouer, Miguel? Vas-y. Je vais mettre une musique, vous bougez, vous arrêtez pas de bouger. Dès que j'arrête la musique, le dernier qui est allongé ou qui bouge, il est éliminé, c'est bon? Non, mais attends, viens, on fait le braquage. Attends, pourquoi on fait pas le braquage? Parce qu'ils ont pas cherché des masques. Et pourquoi, Gâteau, tu as pas les mêmes frocs que nous? Parce que c'est un connard et qu'il a voulu les changer, t'as vu? Voilà, c'est Gâteau. Pourquoi il veut faire le mec différent? Il est où, Gâteau? Ouais, il veut trop faire le mec différent, Gâteau. Il est différent. C'est moi qui ai gagné l'un des trois soleils. Non, ma petite partie. Non, c'est moi qui ai gagné. Gâteau, pourquoi t'as pas gardé le. Bon, regarde, je vais mettre une musique. Même vous, les vagos, allez jouer quand même, comme ça, vous embêtez pas. Voilà, il a changé son froc, il est dégoûtard. Toi aussi, je vais te changer ton froc. En gros, non, vous devez bouger, vous arrêtez pas de bouger. Mettez tous la musique, et dès que je mets pause à la musique, celui qui. Bien. Le dernier qui est allongé par terre, ben, il est éliminé. Même toi, Miguel va jouer. Allongé? Oui. j'ai pas compris le jeu. Non, mais là, vous bougez. Vous avez des trucs pour vous allonger vite, moi non. Bah non. Non, moi non plus, il est pas. On s'accroupit. Ouais. Attention. Ah oui, il y en a vraiment pas vifs. Non, mais je suis accroupi. Mais dormez directement. Pas, dormez. C'est con, quoi. Comment on dort, s'il vous plaît? Moi non plus, il sait pas comment on dort. Tu. Allez, on continue. J'aime pas dormir. Je suis un insomniaque. Ah! Ok. Oh là. Ah ouais, y'en a ils sont... Hey, Guero, choisis les éliminer s'il te plaît, parce qu'ils sont pas forts. Oui, vas-y. Comment on dort, Mar? Mais... t'abuses, toi. Arrêtez pas de bouger, là, vous devez bouger.
Vas-y, Lazaro, tu sors. Lazaro, dehors. Lazaro, tu es mort. Mets-la comme par hasard. Non, il s'est pas relu encore. Oh. Si Execo, ça continue. Ça continue. Là. Non, il a mangé une feinte. Et ils ont pas le droit de s'arrêter alors ah que. Ah oui, vous avez pas le droit de s'arrêter alors que la musique elle est encore là. Il y en a qui trichent. Ah oui, pardon, mais parle un peu plus fort. Ok. Là c'est chaud. Hein. Là c'est chaud, vas-y, on continue. Oh non, ils sont bons. Hey Guess, vas-y, tu sors. Pourquoi? Tu sors, Guess. Ah, c'est qui? Ah, c'était Execo là, moi j'ai vu tout le monde tomber en même temps. Non, mais y'en a, il est sorti direct. Merde, j'ai pas fait exprès de tomber, j'ai trébuché. Attention, stop. Allez, tu sors la meuf, tu sors. Mais non, mais en fait, je pensais que ça. Allez, Carmen éliminé. Arrêtez, hein. Carmen éliminé. Ok, la fin. Ah non, on est trop encore. Ouais. Où ça? Là, la fin. Du coup, tu sors. Tu es sérieux? Quoi? Ben oui, c'est toi, c'est toi, sors. Vraiment? La finale. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Oh le haineux, il a niqué la finale. Arrête. En fait, on la finale, pas, Marie, vous êtes prêts? Miguel fait l'arbitre. Vas-y. Vas-y, donne. Execo. Oh, pareil. Ça y est, j'ai... T'as trop de trucs aussi. Lui qui a la cagoule. Ah ben là, elle a perdu, hein. T'as perdu. Bah là, Marie. Ah, c'est qui là avec la cagoule? Alors, j'ai un problème. Marie, tu es nul. Aïe, arrête. Merde, pardon. Donnez-moi une bandana, pour favor. Je vais voir. Tout est plus sale que nous. Oh, c'est ça, moi. On faut dégager les voitures si on veut partir. Ouais, je sais pas. Mais non, mais y'a pas tout le monde qui part. Bandana. Mais pourquoi y'a 40 voitures là? Je comprends pas. Ouais, mais moi, je comprends pas. Non, moi, il est pas écouté. Venez, on fait tous une ligne, on écoute le plan. Dis-moi pas que t'as pas le jeune. Non, y'a pas. Enlevez la bouffe. Juste les gars, venez, s'il vous plaît, venez juste écoutez juste 3 minutes. Je mets ça, juste 2 secondes. Oui, vas-y, concentrez. Concentrez. On fait un petit cercle, venez ici. Qui a les clés de la Buffalo pour la mettre dans le skatepark? C'est moi, j'ai sinon. Si, toi, tout compris, il est même mort. Putain, mais j'ai des trous dans les bras, oui. Vous m'écoutez tous? Tout le monde. C'est très simple. Vas-y. Il y a 4 personnes. Moi, Guero, moi, Lorio, Miguel et Gato. Ça, c'est moi, ça. On va aller à la banque. On va à la banque. Claro? Ah oui, je viens de. C'est bon jusqu'à là? Je t'ai donné un bandana. Moi je vais à la banque. On va à la banque. Vous nous attendez ici, ça, c'est dans pas les sultanes. Moi. Vous attendez pas à l'extérieur, vous attendez pas autre part, vous attendez dans les sultanes. On vous appellera quand on arrive. Quand on arrive, on les appelle. Quand vous nous voyez débarquer, les deux voitures de gauche, ils sortent. Je vais bien dire de gauche. Ils sortent, on passe, faut pas qu'il y ait un arrêt. Hein. Et après, c'est les deux voitures d'ici qui partent. C'est bon pour tout le monde? Oui. Okay. Et après, à la sortie là-bas, on sépare un, deux à gauche, deux, oui, après, fort. On fait pas dans le métro du coup? Moi je pensais aussi, mais non, au final, il y en a pas. Pourquoi on a fait tous les côtés? Le métro, on a fait une station, on a perdu 7 personnes. Ok, moi j'irai dans ma voiture, on ira prendre le métro. Ouais, t'inquiète, je viendrai avec toi, Miguel. Parfait. Bah, déjà, toi tu fais ta voiture avec nous, avec qui auront l'argent. Ah. Miguel, tu vas pas dans la banque, hein? Si, vous vivez dans la banque, moi. Bah voilà, du coup, tu pourras pas prendre le métro. Mais c'est moi qui conduis non, avec vous? Ouais, mais tu passes par là impérativement après si tu veux t'amuser à prendre le métro. Oui, voilà, moi c'est après ici, ouais, c'est sûr. Vas-y, on fait ça. Bon, bref, c'est bon, tout le monde est. Vas-y, bah nous on vous attend dans les voitures. Super. Si, j'ai. Mets-le. Qui n'a pas d'arme?
Moi. Attendez, on a besoin. Mais nous, on a pas besoin. Non, pourquoi non, pourquoi besoin, vous rapprochez de moi comme si j'allais vous en donner? Allez vous faire. Non, non, on a pas besoin. Écoutez-moi, écoutez-moi. On a pas besoin. Il y a une coachée là qui va venir avec nous, qui va nous suivre avec les otages. C'est-à-dire une voiture avec les 4 otages. Vous nous le déposez devant la banque. Allez, Benga, on y va. Et qui... Attends, il a dit quoi? Vas-y, j'y vais, vas-y, j'y vais. Les otages, bon, montent avec Miguel, monte avec moi. Monte avec les autres, toi. C'est quel autre? Qui est monté dans la voiture? Vertugo, tout ça, là. Et il en faut un dans le camion. Celle-là. Celle-là? Ouais. On est combien dans la banque? 4? Oh, 4. Ouais, 4, on est que 4. J'arrive pas à monter. En plus, toi, faut mettre depuis la clope. Wesh. Attends la voiture avec les otages. On va à laquelle de banque? La... celle-là. Ok, parfait. Tain, je suis affamar. Mais en fait, faut que tu fasses juste un petit détour. Fais un petit détour, tu viens pas directement ici, ok? Qui, moi? Ouais, ouais, ouais. Quand on sort. Quand on sort? Quoi? Là, on rentre ou pas? Regarde à gauche. Là, à gauche. Oui. À gauche, tu vois pas la porte? Oui, je vois, mais on y va ou on y va pas? Oui, on y va, on oui, y va. Oui, mais juste en sortant quand on part. En sortant, on va pas directement voilà. Au plan. Oui, d'accord, ok, ça, j'ai bien compris. Tout le monde? Oui. Allez, attends, tout le monde descend. Descends, pas. Même toi, Carmen, dans le coffre. Tiens, quelqu'un donne la main à Marie pour qu'elle fasse attention. Et à tout à l'heure. Donne-moi la main. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu t'occupes de Marie, t'as vu, toi, t'es... Ouais, d'accord. T'es sous-titré à Marie, allez, venez. Bonjour à tous, c'est un braquage. C'est un putain de braquage. Attends, le M. Oui. Il nous fallait un truc. Oui, la personne, je l'ai, t'inquiète pas. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est un putain de braquage. Allez, levez ma bande de fils de pute maintenant. Dans les bureaux, hein, il doit y avoir je te vois tenir le bouton du sang, je te dis que ta mère. Allez, hein. Je te dis que ta mère. Laser, je sais pas c'est quoi. Allez. Big de perceuse. Tout le monde à plat ventre. On a des putains d'otages. Les otages, les otages. Là-bas. J'ai lancé le braquage. Le braquage est lancé. Asseyez-vous. Mais c'était vrai, tu vas te faire une crampe. La police a été arrêtée. C'est comment là? Tu ouvrais cette porte ou pas là? Ah oui, merde. Pour avoir d'informations sur le braquage. Bouge pas. Ok, je braque. Il me reste approximativement 339 secondes restantes, okay, je pense. C'est bien. Braque le guichet là-bas. Derrière toi. Connard. Pop. Non, pas de cocktail. Pas de cocktail. Je braque. Attends, je vais aller à l'étage, je vais voir. Tu veux que je t'accompagne, on sait jamais, hein. Mais il faut qu'il en reste en bas. Je sais pas si je peux partir ou si je peux. Non, il faut que tu restes vraiment là, vraiment. Vraiment, ici là? D'accord. Plus confiné dans ce petit. Putain, ce petit espace. Ok, on en a perdu un, je sais pas où il est. Je sais pas. Je fais des trucs. Radius de 20 mètres autorisé, ouais, mais je sais pas c'est quoi 20 mètres moi. Je fais des trucs. Ok, à l'étage c'est bon. Merde. T'es là, ouais, vas-y. Parfait. Pourquoi ça tire dehors? Pourquoi ça tire? Ah, c'est ça que je cherchais, putain, Peter. Putain, mais j'en ai mis du temps à le trouver. Hein. Voilà, parfait. Je braque. Oh là là, le goat, incroyable. Je suis une braqueur. Il te reste combien de temps approximativement tu penses? Approximativement je pense 214 secondes. Non, c'est très précis ça par contre. Je dirais dans les 210. Y'a les poyons, y'a la rata. Ah, c'est normal, on fait un braquage. Les négoces, moi je négocie pas moi. Ah oui? Attends, c'est ouvert? Tu te fous de ma gueule? Mais pourquoi non, je... Non, c'est pas ouvert. Ah oui? C'est pas ouvert, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve, c'est ouvert et je fais ça pour rien. Non, tu fais ça pour rien. D'accord. À
Attends, je mets des coups de pied. Tu me dis quand t'as fini. Encore à peu près 180 secondes. Ok. Tu vas mettre beaucoup de coups de pied là. Non, il faudrait lever. Il y en a qui gèrent les négociations, c'est qui? Ça y est, c'est... Tu es devenu fou? En fait, moi, je vais être la partie. Tu vas baiser avec la porte? Et après, si ça veut pas négocier, ah, bah, Miguel, il prend le relais. Vas-y, attends, je vais négocier. Oui, moi, j'y vais en cas d'extrême urgence. Non, toi, tu n'y vas pas, toi. Pourquoi? Toi, tu vas dire oui, c'est Miguel. Toi, tu es... Toi, tu es un alcoolique de merde, tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. Je ne prends plus d'alcool. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui. Non, je prends de la coke maintenant. Oui, c'est vrai, oui. Tu as toujours pris de la coke. Ça change rien. J'ai jamais pris de la coke. En plus, tu crois que je suis une balance ou quoi? Je veux pas dire que je suis Miguel Raconteur. Tu l'as toujours fait dans les braquages. C'est pas vrai. Cite-moi une seule fois. C'est exceptionnel que t'aies mis un masque déjà. Oui, c'est vrai. Déjà, ça m'empêche de respirer, ça m'énerve. Non, tu le gardes, Miguel. Oui, mais après, je vais l'enlever, je pense. Non, après, quand on sera dans la voiture. Bon, on fait quoi? Je sais pas, bah, on sort. On fait quoi, les gars? On les sort et ils marchent à côté de nous. Tu as pas une idée, gâteau? Je vais t'enculer. Il est où? Je vais l'enculer. Monte dans la voiture. Oui. Dans la voiture, on est. Au revoir, Ace. Préparez-vous. Miguel, allez. Oui. Dans la voiture. C'est comme dans les films. Non, laisse-moi conduire. Pourquoi il y a autant de... Eh hey messieurs, vous avancez vers moi tout doucement. C'est bon, on débarque là. Allez-y. Écoute. Bombarde. C'est moi qui conduis. À droite. Mais non, il y a un barrage là. Mais il y a un barrage. Ah mais c'est des voitures de civilisés. Attends, mais Gâteau, appelle Gorogin. Attends, on rentre de quel côté? Skatepark ou l'autre? Non, skatepark. Skatepark, mais pas tout de suite, attends. On rentre par derrière ou par devant? Par skatepark, là où on est rentré. On rentre par le skatepark. Doucement. Ouais, on passe par le skatepark. Vas-y, parfait. Miguel, il faut de l'avance, hein. Vas-y. Ah oui? Non, là, pas on est, là, on roule, là. Si, il faut un peu d'avance, hein, vraiment, parce que s'ils nous collent, ils vont voir quel véhicule c'est, quelle place. Il a pas tort, hein, pour le coup. Miguel? Oui? Tu sais que tu veux être tout le temps recherché, que tu veux être... Vas-y, pour l'instant, il tourne. Mais pourquoi j'ai dit quoi encore? Tu dis les prénoms, t'as dit gâteau. Non, mais lui, j'ai juré sur la Santa Maria que son visage va être brûlé. Non, mais c'est grave. Aïe. Why? Aïe. Ah, mais ça va niquer. Putain. Ça va? Bloqué. Personne ne bouge. Vous êtes blessé ou pas? Restez tous là-dedans. La famille sont clignotants, sérieux. Oui, ça va. Pourquoi la famille sont clignotants? Pourquoi? Et vous allez tous sortir tranquillement, et vous allez vous mettre là sur le côté. J'en ai marre. Qui part en courant. Allez, messieurs. Les mains en l'air. Allez, doucement, on sort là. Mais on commence quoi, à okay. Préparer tout ça pour rien. Ok, je vais me rendre moi, mais vous laissez partir mes copains. Vous êtes combien? Mais non. On est trois. Quatre. On est quatre, mais vous reculez. Vous reculez ou je me mets une balle dans le tête. À moi tout seul. Ok. Reculez tous. Reculez. Doucement. Reculez, je me mets une balle dans la tête. On vous en joue, faites pas le con. Reculez. Vous prenez le volant et moi je me rends. Ok, je... Donne-nous en deux. J'en peux plus. Un seul. Non mais, elle avait pas mis son clignotant. Marche arrière. Le 50-50, monsieur. D'accord, le 50-50, pardon. Oui, je vais descendre. Je descends. C'est pas vrai, j'ai menti, je descends pas. Non mais pas par là. Fils de pute, comment on parle là? Allez, on bouge plus, Laisse-moi faire. Ah le bâtard. Ah bien joué ça. Le véhicule est tout cabossé, comment on va savoir? Il faut savoir que c'est nous. Dis-leur de niquer la voiture. Dis-leur de sneaker entre eux. Miguel! Mais pardon! L'autre n'avait pas mis son clignotant, je pouvais pas savoir pour de vrai! Attends, je les ai sommés! Allo, rentrez un peu dans. Niquez les véhicules un peu! Pas qu'un peu! Beaucoup. L'avant, sous le tour! Juste l'avant! Les deux vitres arrière, les casser aussi! Ah, pour moi, elles sont pas. Je les ai sommés! Quoi? Ah bah, on les a plus aux fesses! Non, mais non, je vous. Faut quand même qu'on fasse le plan masterclass quand même! Ok, attends, je les retrouve! C'est bon, y'a quoi? Waouh! Il voulait nous toire. C'est bon, t'inquiète, on arrive. Attends, je te dis quand on arrive.
Je suis. En fait, j'en ai marre d'être le GOAT. Ça m'énerve. Le GOAT qui nous a fait foirer tout le plan. Et c'est pour ça que je suis obligé de me nerf un petit peu parce que je suis trop GOATesque. Tu comprends? Non. Non, moi je comprends vraiment. Pourquoi tu comprends pas? Pourquoi? Ramène les poyos. À chaque course poursuite, t'es obligé de taper au moins une fois. Mais non, mais tu as vu qu'elle a pas mis son clignotant. Pourquoi elle a changé de voie comme ça? Va pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Si, ça y est, maintenant. Y'a quel camion, non. C'est Guise. Ah oui? Mais non, mais y'a le véhicule derrière. C'est bon, j'ai entendu. Dealer. Mais non, mais c'était derrière le véhicule. Non, mais c'était là, t'inquiète. Oui, je sais, mais je t'en prends encore. Marche par la Lorio. Est-ce que le camion là, Lorio Taliban? Du calme, hein. Mais de toute façon, ça y est, c'est mort. Le véhicule est tout cassé, ils vont savoir que c'est le nôtre, c'est bon. Mais non, ils ont cassé les voitures. Ils ont cassé les voitures, t'inquiète. On attend les poyos derrière nous. On attend les poyos. C'est ton klaxon, ça? Oui. Je vais te niquer. Pourquoi t'as un klaxon comme ça? Oh merde, ils nous ont retrouvés. Merde, ils sont derrière nous. On y va là ou pas? Oui, là on y va. On arrive. Il faut de l'avance. Ouais, on est là dans. Il faut de l'avance un peu? À gauche. Oui, il faut de l'avance. Attends. Ok, je refais un tour. On refait un tour. Passe par la droite. Laisse-moi faire. C'est bon, là je tryhard. Mais la voiture elle tourne mal pour qu'elle est un peu abîmée. Un peu, la roue elle est complètement voilée. C'est bon, t'as de l'avance là. Nique ta mère! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? T'es musclé, toi! On arrive là. Ok, là on a assez d'avance, c'est parfait là. Ouais, c'est bon. Allez, vite, maintenant ça y est, faut y aller là. Là on y va. On arrive tout de suite là. En gros, on change de voiture, c'est ça? Parce que moi j'ai rien compris. Non, continue à rouler. Vas-y. Là je vais à droite. Ils arrivent. Okay, ouais. Go, parfait, roulez. Ah, c'est trop bien en fait, j'ai compris. Mais oui. Vous me voulez un plan, je vous donne un plan. Non mais pourquoi tu fais que des trucs confus? Je sais pas. Ça y est, voilà. Fallait juste aller à droite. Vraiment. Non, littéral. Caméra. J'en sais rien, je suis désolé. Non, ils ont retrouvé. J'en ai marre. Arrêtez. Non. Arrêtez-vous, on n'arrête pas. Vas-y, retrouve les autres, faut qu'on se retrouve. Mais c'est bon, vous êtes où? On peut les semer en tête. Bah nous aussi, en fait, nous aussi, faut qu'on se rejoigne. Parce que tu nous écoutes pas quand on dit le plan. Vraiment, t'es ailleurs. Oui, pardonne. Pourquoi t'as essayé de faire des stratégies? On va se rejoindre au coiffeur de. Je suis trop gothesque, sérieux, j'en ai marre d'être le goth. Vas-y, j'appelle les autres. Attends un peu. Pourquoi je suis pas resté SDF? Pourquoi? Dites à Louis d'arrêter de m'appeler. Je suis en train de les semer. Ouais, on se rejoint, faut qu'on se rejoigne. Mais on est pas derrière toi, espèce de con. Il me rattrape. On est. Direction Bronx là. Oui, on est sur. Ouais, y'a une côté. Ah, y'a un qui a eu mal à la tête. Lorio, force à lui. Je suis trop le GOAT. Le péage du pont entre. Le pont du milieu. Vas-y, va. C'est bon, je les ai sommards. Je les sème en tête-tête. Comme à l'époque, Hermano. Ouais. Aïe. Merde. Oh, mais non. Ok, j'attends un peu. Ouais, mais tu veux le faire où? Envoie une pause. Ah, me dis pas que tu les as sommés. Péage d'Aitin. J'en ai marre. Pas le pont du milieu. Putain, il les avait niquards. J'avais été trop grotesque là, t'as vu comment j'avais été, grotesque ou pas? Elle va pas tenir longtemps, vraiment, Miguel. Okay. Non, mais tu as vu comment j'avais été grotesque ou pas? Sérieux? Oui, ok, grotesque, ce que tu veux, mais là faut qu'on rejoigne notre côté là. Vas-y. Bon, va au pont Charge Island. Moi? Le pont Charge Island. C'est le pont du milieu. Et en mode, vous allez vous suivre les deux voitures, enfin non, vous allez arriver face à face. Après, moi j'ai plus de capot là. Ouais, mais là la voiture elle est. C'est pas grave, on va arriver face à face. Et toi, vous allez faire demi-tour quand vous arrivez à peu près au même niveau. J'avais été trop bon, je suis dégoûté, Estre. Depuis la station essence, là. Non, pas Bronx, c'est Concesse. Vas-y, bah là on prend la bretelle ou pas? Je les éteins, hermano.
Extension de Fuegos. On change de voiture, on change de voiture. Non, mais on change de voiture. Il est là, il l'a. Mais non, mais attends, recule. Mais va le voir, à côté de lui. Eh, fuis, Louis. Mais oui, il fallait changer de côté. Et je sais pas moi. Quoi? Faut sortir vite, ils ont bloqué, ils nous ont vu. Ils nous ont vu? Faut qu'ils bloquent, faut que tu sortes d'ici. Ah oui? Oui, faut que tu sortes là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de bloquer les sorties en haut. Merde. Comment faire? Là, ils vont bloquer la deuxième. Je sais même pas comment on fait pour sortir. Là, à gauche. Ah merde. Non, prends pas la. Oui, il est tout droit, puis je sais pas. Si on est bloqué, on est baisé. Hein. Oui, belle analyse à Vertigo. Oh, j'entends un dirigeable. Ah bah. Ah non, c'est bon. Ok, si, ils ont bloqué derrière, mais on est parti. Il les a éteints encore. Allez, il ne cherche plus à les voir parce que regarde l'état de la côte, ok? D'accord. Je suis gothesque. T'en as pas marre que je sois aussi gothesque, sérieux, tout le temps? Attends. J'appelle oui. Lorio. Lorio est dans le coffre, là. Laisse-le sortir. On va se garer chez les Trini, comme ça, si jamais ils vont penser que c'est les Trini qui ont fait ça. Je suis le goth. Sérieux. Moi aussi, je peux souffler, hein. Ouais, souffler. On va partir, moi je vais envoyer un message de Poyos. Et je vais dire, il y a une voiture suspecte qui est garée ici. Ouais, Louis. Non, c'est bon en fait, je vais changer d'avis. On est parti. Vas-y, tranquille. On se rejoue au barrio. Oui. Louis, sérieux, je suis pas le goth. Toi, tu es qui toi? Toi, tu es gâteau toi? Gâteau, ouais. Sérieux, je suis pas le goth. GG. Merci. T'as carré la conduite. Et t'as vu quand j'accélère comme ça? Ta, comment ça va vite, sérieux? Mais non, mais là, c'est pas là la voiture. On est là depuis longtemps, nous. Mais arrête! Enlève la musique! Ah mais je sais conduire les voitures. Mais juste moi t'as vu je suis en détente. Je suis pas en mode tryhard, t'as vu quand on veut accélérer, quand on veut passer la deuxième. Quand on passe la deuxième, on passe la deuxième. Des fois ça passe. Des fois non. Oh, je peux les lancer en noscope. J'avais apps. Ah, tu peux. Tu peux me prêter un cocktail? Non, Hermano. Non, mais juste un, vraiment. Non, juste tu vas m'oublier le visage. Mais non, je vais juste pour les poyos. Toi, tu as toujours oublié que tu étais mon pequeño, je crois. Pequeño. Oui, pequeño. C'est bien, Lorio, tu as fait du bon boulot. Je suis fier de toi, je te tapote l'épaule. Slash me tapote l'épaule de Lorio. Bravo! Tu as bien progressé. Ah. Bon, c'est où les toons? Comment ça les toons? Et c'est où les toons? Pourquoi il n'y a pas Red Dead Redemption RP mais en version GTA? Oui, ça s'appelle GTA 6, d'accord, je veux bien l'admettre. Mais bordel, le feu dans Red Dead Redemption, comment il se propage et tout, c'est incroyable. Ils sont rentrés dans la quartier. Mais pourquoi vous êtes rentrés alors qu'il y a les poisons qui vous poursuivent? Non, c'est pas nous. Oh merde! C'est la merde! Oh mon dieu. Qui a fait ça?
Lorio, il y en a un qui sont voulu rentrer au quartier avec la voiture pendant que les Poyos les poursuivaient. Mais ils sont trop cons. Sérieux, pour une fois que c'est pas moi qui fais des bêtises. Je vais faire quelque chose, j'arrive. D'accord. Là, c'est pas moi. Quitte l'appareil! Ah merde, c'est vous! Pardon! Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Arrête, le modo il s'est trompé de prédit. Tu me trolls. Oui, c'est bien, c'est bien. Parfait. On a gagné combien là? On a gagné à peu près 70 000. Oh, ça va. Non, c'est bon? Ok. Vous voyez comme j'ai trop de flow quand je lance? T'es beau, t'es beau. Merde, pourquoi il répond pas? Et Louis, ils sont encore coursés là. Ils feront une descente. Vous savez qu'on va se prendre une descente, hein? Vous êtes bien au courant de ça? Normal. Courant de quoi? Qu'on va se prendre une descente au Mario. Je vais me mettre dedans et je vais pas sortir. Oui, tu fermes ma clé? Ouais, ils pourront rien faire. Il est où, Vertugo? Il est en train de se changer. Oui, Vertugo. Comté. Oui, tu es où? Quartier, toi? Je suis au quartier aussi. T'es où au quartier? Sur le balcon. En vrai, c'est le meilleur plan, tu te mets dedans, c'est tranquille. Balcon. Oui. En haut, sur le toit? Sur le... Ok, j'arrive. Jet d'eau. Donne-moi le reste du butin, là, ce qu'il y avait dans le coffre. Bien sûr, Vertutu. Ah, tu veux pas le reste du butin ou quoi? Tout s'est pas volé. Ouais, je sais, mais j'ai plus mon chapeau. Et merde, je me fais tomber, connard. Pourquoi t'as la calvitie ou quoi? Tiens. Mais c'est qui me jette des briques là? Ça veut dur. Dire, on c'est peut Rodri. Tout acheter là, Réfé, là, on peut tout acheter hein, au niveau armement. Mais on va se prendre une descente, je pense, pour que. Vertugo! Aïe! Qui c'est qui est rentré au barrio avec une sultan jaune? Enfin, qui a essayé de rentrer? C'est Louis, c'est Louis. Il y en a un, il a essayé de rentrer au barrio avec une voiture jaune! Oui, c'est Louis, c'est Louis. Oh merde! Oh, y'a les Poyos! Miguel! Oui! Y'a les Poyos, y'a les Poyos devant! Oui, j'arrive! Y'a les Poyos devant! Ah! Aïe! Tu fais quoi? Fermez le portail. Tu veux venir m'aider? Oui, à quoi? Les cartons là. Oui. Tu peux prendre le carton qui est là? Lequel? Ah! Tu brûles! Tu brûles! Lorio il a brûlé. Je vais appeler les pompiers, attends reste. L'hermano Lorio il a brûlé. Alerte rouge. Alerte rouge. Lorio il a brûlé. Ah bah ça va mieux. Oui tous ses cheveux ils ont brûlé je crois. Il a voulu il a voulu m'allumer. Et c'est lui qui s'allumer tout seul. Il s'est brûlé les cheveux et la moustache. Je suis mort. Donc là il a plus de cheveux là? Non il est chauve. Ça lui a brûlé tout le tête. On a perdu gaze les gars.
Il s'est écrasé le drone, il s'est écrasé. Aïe. On a perdu Gaze. Ok, mais le drone s'est écrasé. T'as entendu le bruit? On a perdu Gaze. Il est quoi? Il est mort? Non, il s'est fait attraper. Non, il s'est fait attraper. Avec moi, Gaze, comment c'est possible? Non, ça, les Poyas vont faire une descente, je crois. Il va surveiller. Ah oui, mais Guess c'est Mora, c'est pas Wachi, putain, je suis trop con. Alors, en même temps, lui, s'il avait le malheur de conduire une voiture. Alors je vois rien. Ok. Miguel. Oui. Va prendre une moto et récupère-moi, on a un truc à faire. D'accord. Lorio, il va bien ou pas? Il est où, Lorio? On a perdu Marie, on a perdu... Combien de platins, là, du coup? 79 000 en phare, en tout. Combien? 79 000. Vartoutou! On dirait que c'est lui, mais c'est pas impossible. Vas-y, monte. Oh. On me dit pas qu'il a eu mal à la tête ici, quand même. Oh putain. Non, je vais très bien. Pourquoi tu as ramené le sosie de Radamel? Non, c'est pas le sosie. Rien à me dire, petit trou du cul. Tu es Radamel? Non, je crois qu'il est... Je suis stun. Toujours, hein. Je suis un peu stun, là, encore. Pourquoi? Y'a pas de pourquoi. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi, Radamel? Tu m'as laissé tout seul. Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? J'étais livré à moi-même. À Los Santos, à Liberty City. Pourquoi? Tu étais où? Abandon. Tu me parles d'abandon. Toi, tu oses me parler d'abandon. Toi. Tu étais où? Pendant que moi, j'ai coupé 6 ans de prison. T'as eu 6 ans de prison, il n'y en a pas un, il est venu me voir au parloir. Tu étais en prison? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu te rappelles pas la grosse fusillade qu'il y a avec les poyos et tout? Même toi, t'étais en prison. Tu m'avais manqué, connard, ouais! Ah, toi, tu m'as pas manqué la vie de ma mère. Alors, tu as Liberty City, toi, maintenant, ça y est? Écoute. Tu es redevenu un vagos? C'est pas pour rien. Écoute. Quoi? Attends, quand même. Hop, sous mes lunettes. Écoute, t'as vu, Miguel, tu vois, les choses, tu vois, Los Santos, c'était bien, mais entre-temps, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont passées, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a eu, tu vois, toi et moi, on se sait. Oui. Tu vois, là. Je me suis habillé comme toi. Ah, ok. Tiens. Bref, je reprends où j'en étais. Oui, vas-y. T'as vu, avec Lorio, ça allait pas. Je sais pas si tu te rappelles encore. Hein. T'as vu, avec tous les tatouages en couleur que t'as eu, je pense que t'as vu qu'une nouvelle vie. Je sais pas si c'est passé quoi dans ta tête, mais bref. Oui, je m'en rappelle. J'appelle Riffé, t'as vu, pour lui dire que voilà, j'allais revenir, etc. Mais. T'as vu, moi, je préfère être honnête avec toi. De toute façon, moi, je lui dis. Hein. Je lui dis à lui, t'as vu, là, comment je vais être, c'est hypocrite, t'as vu. C'est-à-dire. Ah, ça va être très facile. C'est qui eux là? Non, mais attends. T'es qui toi? Ouais. Ça me fait rire. Aïe! Ça me rappelle quelque chose. Mais c'est... C'est Lorio. Oui, mais c'est quoi ce multivers, ce fils de pute? Il a voulu me brûler. Il a raté et c'est lui qui a brûlé. La tête à ma mère. La roue tourne. Oui, ça me fait rire de fou. Putain, l'arroseur arrosé. Le brûlé. Lorio, tu dis rien? T'as vu à qui? Ouais. Bien, mon frère Lorio. Ça va, mon frère Radamel? Ouais, on va manquer. On va manquer aussi. Putain. Arrête! Je vais te gagner à ce jeu-là, connard! Je joue pas là! Allez.
Pourquoi il y a que ton tête qui a brûlé et pas le reste du corps? On peut pas. Non mais t'as... Incroyable. Elle va vite tourner la roue. Oui, c'est vrai qu'elle a tourné la roue. Je te le fais pas dire. Elle a bien tourné comme il faut. Elle a tourné pas dans ton sens, j'ai l'impression. Putain, il y a Radamel. Je suis trop content de te revoir. Non, moi, je peux mentir là, après ce que je vois là. Ça... J'aurais bien dû rester à l'ensemble. Tu redeviens un vagos? Tu reviens avec nous? Qu'est-ce qui brûle là? Toujours sur moi, je peux vous mentir. Voilà, Radamel! Mais tu vas venir une fois par semaine ou tu viens? T'as vu, ça fait un mois que je suis là, Miguel. Et tu faisais quoi? Non, je baraudais un peu, tu vois. Dans l'ombre? Ça fait 9 mois, moi, j'étais là. Ah oui, mais moi, ça fait 5 ans que je suis là, moi. SDF? Ouais. Oui, c'est une clocharde alcoolique. Comment ça a fait que tu... Pourquoi t'es devenu SDF ici? Je suis à Los Santos et du coup à Liberty. Ouais. Je croyais que j'étais un grand gangster. Du coup, je me suis fait dépouiller par tout le monde et j'ai fini SDF. Je t'ai dit, t'es toujours une petite merde. Hein. Mais bon, tu me disais, ouais, non, moi je suis Lorio, Big Lorio Chiche. J'étais grand Lorio, biche. Prends. Ici, j'étais personne. Oui, et ici maintenant, c'est devenu mon pequeño. Pour voir que moi, je suis numéro 2. T'es quoi? Numéro 2. C'est faux. Ouais, le numéro de dernier peut-être, mais... Et tout est fou, j'ai grandi, hein. T'as quel âge? Au moins... 25, peut-être. 25? Ah ouais. Possible, j'en ai 30. Ah, j'en ai 20. Non, tu en as plus. Moi, j'ai 30 ans, ici. 23, peut-être. Attends, tu es beaucoup plus vieux que moi? Ah, j'en peux plus. Oh putain, c'est quoi, mais c'est quoi ce look Non, ben non, c'est parce qu'on veut finir un braquage. Ah oui, c'est devenu un talipan. Mais jamais de la vie. Là, je vais retourner au quartier, je vais m'habiller bien. Nous, on a un vrai flow Radamel au moins, pas comme eux. Ah. Ah. Lorio. C'est brûlé, il a raisonné, donc j'ai pas tant d'amour. Eh ouais, t'as oublié que t'es devenu un soldado, Lorio? Eh oui, et oui, parce qu'il retrouve que c'est le numéro 2. Dis-lui qu'il est en dessous de moi, s'il te plaît, Vertigo. Dis-lui, s'il te plaît. Eh oui, mais oui, on t'a dit, t'as des preuves à faire, Lorio. Tu crois quoi? Tu vas te faire finir au quartier. Une couille toute fraîchement rasée. Une dingue. Oh. Non, si tes couilles, quand tu les rases, ils ressemblent à ça, c'est grave. Hein. C'est grave. C'est que t'as un souci, hein. Il se rase à la cire, si c'est... Lorio. Quoi? Attends, regarde-moi. Ça mixe de crâne rouge. Non, et de... ça a pas bien brûlé. On dirait le méchant dans Star Wars. Comment il s'appelle? T'as brûlé quoi? Dark Maul. Oui. Pourquoi il nous a fait le sourire du Joker? Il dirait crâne rouge dans. Non, c'est la brûlure. Captain America. Putain, mais là tu vas gérer vraiment. Ah, peut-être que Tig. Tu vas gérer aucune meuf là. Peut-être Tig, tu vas gérer. J'ai jamais gérer une meuf. On dirait un mec qui se décale. Oh le fou bâtard, j'ai compris. Il a dit on dirait un mec qui se décalote. Non mais ça te va bien Lorio. C'est ce que tu devrais faire, tu devrais te prendre un masque qui brille et t'appeler Deadpoolos peut-être. A mon avis tu devrais faire ça. Intégral. Non mais Lorio, c'est la V3 de Lorio là, en mode Dark Lorio. C'est la combien de V en Vertigo? Je sais pas en fait. Il a pris l'ulti de Kha'Zix. Ah, celui-là, ça veut rien dire. Comment ça, l'ulti de Kha'Zix? Mais c'est quoi, il prend un level 16, il devient rouge. Oula, oula, faut déjà aller jusqu'au level 16. Aïe. Bon, nous barrions là. Certaines personnes ne peuvent pas faire. Il y a une soirée des bikers, vous voulez qu'on y aille? Vas-y, venez, on va tout niquer. Lorio, tu veux y aller? Quoi, bien sûr qu'il va y aller. Bien sûr, il a pas le choix. Ouais, mais là, il nous faut des coachés là. Il a décoché déjà. Laisse-moi conduire. Elle est où ma bécane? Elle est là. Tu veux grimper avec moi Lorio? Ça va pas te faire mal l'air sur ton tête? Ça te irrite pas? Lorio,
Quoi? Il hérite pas l'air qui frotte sur ton tête? Je m'en fous de l'air. Moi je me rappelle quand tu m'avais brûlé le tête. Quand je prenais la moto, le air qui frottait mon visage pendant que j'étais encore écorché vif quasiment, eh ben ça me faisait trop mal. Aïe. T'as pas mal? Moi je pense que tu as mal là. Je pense que tu as mal. Mais je pense que tu as mal, Lorio. Tu vas y passer. La douleur de mon cœur remplace la douleur de mon visage. Tu comprends? Tu vas y passer. Mais pourquoi? Tu vas y passer, fils de pute, regarde ce que t'as fait à mon visage. Mais c'est toi qui as fait ça tout seul. Regarde, c'est pas ta faute. J'ai vraiment... C'est ta faute, c'est toi qui as allumé le feu. Mais non, c'est toi. Non, tu as tiré. C'est pas littéralement. C'est une métaphore, c'est toi qui as allumé le feu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment toi tout seul, là, vraiment. Hein. Oui, c'est toi qui as allumé le feu. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour te punir. Mais tu t'es puni tout seul, Lorio. Lorio, tu as mis l'essence tout seul. Tu as tiré tout seul et tu as couru dans le feu. Tout seul, c'est pas moi qui t'ai poussé, hein. Lorio. Quoi? Tu as cru que tu étais le génial idée? Oui. Chien. Tu ressembles à une allumette. Lorio. Tu es comme Deadpool. Lorio! Merde, tu as crash. Tu m'entends pas, Lorio. Ah, je crois que le serveur a crash. Les véhicules ne bougent plus. Ah non, peut-être pas. Bonjour! Fils de pute! Ma bécane, la dernière fois, t'as fait quoi? Attends, c'est... La musique c'est DMCA ou mais ça non, va? Non, oui, t'inquiète pas, putain, je crois que je suis con. Ok, parfait. Bon, Kegel. Oui. La bécane. Regarde, viens. Déjà? Attends, oui, oui, vers tout. Je t'envoie la position. Attends, connard. Hein. Ouais, mais si, fils de pute. Ok, oui, dis-moi. Déjà, nettoie tes vêtements. Oui. À vos ordres. Alors, mon pote, second round. Oh, bon, trou du cul, ça va? Ouais, attends, le cop, il y a un problème cops, là. Il y a un problème là. Déjà, rappelle ma bécane quand on est venu chez toi, t'as ma bécane. Quand je suis ressorti, elle était jaune. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Et là, sa bécane à lui, elle est jaune. Peut-être il y a un pot de peinture qui est tombé dessus. Donc, Kegel, oui. C'est la bagarre. Oh, je fais ce que là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il veut toucher au bécane? Là, non, non, attends. Regardez, lui, il s'est fait brûler la tête. Ouais, mais j'ai que ça le foutre quoi! Ça bat les couilles quoi, il a oublié de respirer, il a attends, c'est de la sauce tomate! Il est bien gentil, mais bon, il a le caca de tarte! Ah, c'était une guet-apens que vous m'avez tendard! Vous voulez me niquer? Non, c'est bagarre entre toi et moi, viens ici! Mais non, tu vas. Non, sérieux, t'as pas envie de te battre avec moi, tu vas perdre! Si, j'ai envie! Te promets, tu vas perdre! Et pourquoi directement la bagarre? Il avait repas ma bécane! Je suis expert en bagarre! T'as raison, le bécane, le pèse-le! C'est soit tu me donnes l'argent! Non, pour compenser. C'est une vengeance. Hein. La bécane. Allez, enlève. C'est bon, Hermano. On va pas passer par quatre chemins. Elle. Quoi? La seule issue, c'est la bagarre. Écartez-vous. Écartez-vous. Elle est passée où, ton message? Poussez-vous, parce que là. Attends, la musique, elle fait des bruits bizarres. Ah non, c'est bon. Oui, c'est normal, c'est la musique de chez nous. La seule issue, c'est quelle? C'est bon, tu es prêt? La bagarre. Vous pouvez vous écartez-vous bien, s'il vous plaît, pour favor. Je vais devoir niquer la mère à un biker, ça me fait chier. Tu vas me niquer ma mère à moi? Oui. Allez le biker. Voilà, raté. Non, mais non. Tu vas encore perdre, voilà. Non mais sérieux. Attends, je vais t'aider le biker. Merci. Arrêtez. T'as fait mal? Mais c'est pas terrible hein. Non mais là c'était nul. Le biker, je t'avais dit. T'as pas touché une fois. Toi tu gères les bécanes, moi je gère les bagarres. Eh ben, tu sais comment que je gère. Du coup, je vais te remettre ta moto en jaune pour la peine. Non. Et tu as perdu. Tu as perdu, c'est la règle, hein. Oui, il est nicard. Je te rappelle que la dernière fois que t'as fait ça, c'est celle-là la bécane. Tu as fini à manger la prairie, alors arrête ça. C'est celle-là? Ah non, c'est pas celle-là la mienne. Ah oui? Non, arrête. Non, arrête. Mais qu'est-ce qu'il est en train de déconner là? Pourquoi tu déconnes avec les motos là? Je sais pas, les bécanes, putain. Bon. Reculez-vous s'il vous plaît, on va faire la première prise. Il déconne quoi, non mais bientôt comment on va s'appeler là? T'as exactement 30 secondes pour remettre cette couleur initiale.
Nico, vas-y, vas-y. Raté. Ah non, pas raté. Aïe. Merci, ah, Momo. Merci, Momo, mon frère. Arrêtez. Aïe. Merci, Momo, t'as marché trop, mon frère. Vas-y, vas-y, je ramène ta tête, tu vois. Aïe, vous m'avez niqué mon ras. T'inquiète, je vais mettre ta tête dans le feu. Non, pas de favor. Non, c'est bon, pardon, pardon, je vais le mettre. Je vais le mettre. Vas-y. Ok, attends, attends, Johnny, Johnny. Oui. Attends. Vas-y, vas-y, porte, porte, porte. Voilà, voilà. Vas-y, je le porte. Aïe. Non, arrête. Les bikers. Attends, attends. Dis les bikers, c'est le meilleur groupe du monde. Les bikers, c'est le meilleur groupe du monde entier. Je m'en fous. Je vous arrête, enlève. Mets-lui les orteils dans le feu, putain. Non, non. Mais vraiment, les bikers. C'est les meilleurs. Écoute, attends, écoute. Oui. Vas-y, dis pardon, Johnny. Pardon, Johnny. Pardon, maître Johnny. Pardon, maître Johnny. Bon toutou. Allez, casse-toi. Oui, merci. Oh mec, tu toucheras plus jamais aucune moto. Trop tard, il me tient plus. Non, arrête. Remets ma bécane. Vers toutou, à l'aide. Vers toutou. Ouais, Miguel. Il veut me niquer ma... Il veut me niquer mon ras. Aïe. Dis pardon, dis pardon, dis pardon. Aïe, mais arrêtez. Aïe. J'en ai marre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça y est, c'est bon. Plus jamais tu touches au putain de moto, d'accord? Écartez-vous, les gars. C'est bon, il a assez mangé, non, c'est bon, il a assez mangé. Aïe, vous m'avez niqué mon ras. C'est nous, les plus grands trafiquants. Pourquoi vous m'avez niqué mon ras encore? De Gotham City, ouais, ouais, c'est moi. Remets ma bécane. Ok, je remets ta bécane. Merci. On a tout, frérot. Putain, mais touchez pas les bécanes, sérieux. Mais je l'avais, celle-là. Je l'avais en mieux. C'est pas la tienne. Je l'avais en mieux. Ouais, je l'avais en mieux. Elle a quitté de faire un bagarre avec lui si je gagne. Foutre, c'est pas la mienne. Non, arrête, j'ai dit quoi? Elle a qui, celle-là? Elle a qui? Non, touche pas, ça c'est à moi. Sur les motos. Eh ben écoute. Mais non. En vrai, bagarre, elle rend vraiment bien en jaune quand même. Oui, mais c'est pas marrant. D'accord? Pourquoi c'est pas marrant? Parce que c'est marrant, mais c'est chiant. C'est trop marrant. Mort, là. Je vais te faire une bagarre si je l'avais à Los Santos et je veux la récupérer. De quoi? Tu veux faire quoi? Celle-là. Elle est à toi? Ouais, elle est à moi, jamais tu la touches, jamais. Tête à tête. Non. Ah, Johnny, non, t'en as rien, ouais, il est déjà monté deux fois dessus. Ouais, je remonte dessus, regarde. Oh oui, bébé. Oh oui, bébé. Aïe. Arrête. Aïe. Arrêtez. Arrêtez. Aïe. 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 Johnny, tu devras te calmer, là. Incroyable. C'est qui? Vers tout gauche, je vais tirer dessus. Il en a pas en jaune, encore. Là. Putain, mais je suis KO longtemps là, non? Je suis mort RP. Il a la tête brûlée. Attends, je vais me charger à l'intérieur. Aïe. J'ai trop drip. Pardon, monsieur. Charge les motos, putain. Oui. Les gars, il est où l'Orio là? Qu'est-ce qu'il a déposé une poubelle là? Enfin, à l'intérieur, Francky, à l'intérieur. Eh ben, attends, je vérifie qu'il change la couleur des motos que. Pardon? Toi, t'as une tâche là. Voilà. C'est quoi ce truc là? C'est à toi? Il est où l'Orio? Ah, je t'avais pas reconnu à cause de ta tête de rouge. Ah, ça c'est drôle hein. Je croyais que tu... C'est drôle hein. Je croyais que tu étais un Mexicain, je savais pas que tu étais un Indien. C'est l'Orio. La vie de ta mère? Oui. Wesh, il t'est arrivé voilà. Quoi, wesh. Oui, qui me désire? C'est Ace, il arrive. Ace, mais quelqu'un lui parle actuellement, donc attendez juste un instant. D'accord. Ça m'arrange, je mange. Pendant le braquage, t'as vertu moi? Bah rien, je t'ai dit, je te cache. Ouais, bon appétit, oui. Tu es retourné. Sia. Et t'écris quoi comme chanson? Moi, ma prochaine musique. Ah Miguel. Ça va, Ace? T'étais où tout à l'heure? À quel moment? Au moment d'un braquage de banque, t'étais où? Lequel de braquage? Il y a eu un braquage de banque, là, tout à l'heure. Oui. Donc on va, je vais te poser la question, t'étais où entre 22h et minuit? Bah au braquage. Ah! Y'avait Vertuco avec toi ou pas? Que t'as fait mention de plusieurs noms. Attendez, de quoi? Je peux m'entretenir personnellement avec Vertuco avant de répondre à vos questions? Non, il va t'influencer, donc du coup il était là ou pas? Vertuco, je dis quoi? La vérité. La vérité, Vertuco, je peux dire la vérité ou je dois mentir? Vertuco! Quoi? Je dis quoi? Je mens ou je dis la vérité? Pourquoi t'es au braquage tout à l'heure? Le braquage de tout à l'heure qu'on a fait. Pourquoi braquage qu'on a fait? Avec le sultan jaune. Du coup, Miguel, je répète ma question. Oui. Avec qui sur le braquage avec toi? Vertuco, je stresse. Hein? Stresse? Oui, je stresse. Et tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que je dois répondre? La vérité. Je viens pour avoir des réponses. Je dis la vérité, Vertuco? Oui. C'est pas bien de mentir déjà, hein?
Vertigo, je dis la vérité. Ah, t'es une grande personne, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, je crois que ça veut dire que je dois dire la vérité, non? Oui, il faut le dire. Bien sûr, oui, oui. T'es une grande personne, faut dire la vérité. Attends. Lissandro, attends. Lazaro, vas-y. C'est un test, Vertigo? Non, t'inquiète, c'est pas un test. Non, c'est pas un test. Non, c'est pas un test. D'accord. Donc c'était un braquage tout à l'heure. Oui, on a fait un braquage, il y avait Vertigo, Lorio, il y avait Lazaro, Rodri, il y avait Guez, il y avait Luis. Non, Lazaro, il était pas là. Il y avait un peu... Il y avait tous les vagos, hermano. Pourquoi? Ok. Est-ce qu'il y avait Vertigo avec toi? Bien sûr, oui. Préfet, tu peux venir voir, s'il te plaît. Donc la personne qui est à ta gauche. Est-ce que c'est lui qui est à ma gauche? Vertu, c'est toi qui est à ma gauche? Ou c'est François? Oui, la personne que je suis en train d'éclairer, là. C'est François ou Vertigo, là? François, tu peux venir voir, s'il te plaît? Non, c'est bon, je vais rester ici, c'est bon, t'inquiète. Rien, de toute façon, j'y étais pas, mon braqueur. François, pourquoi tu me réponds pas quand je te parle, Vertigo? Parce que je vais te niquer ta grand-mère, la pute. Mais je comprends rien! Les hermanos, aidez-moi, pour favor, je sais pas ce que je dois faire! Tu dois pas dire la vérité, tu dois venir. Prends la voiture, Oui, c'est simple, Miguel. Non, tu ne montes pas dans la voiture. D'accord. Avec nous, Miguel. Oui, j'arrive. Non, mais j'arrive. Attends, je rêve. Avant ça, je vous suis. Allez, viens voir. Je vous suis. Les agents vont l'escorter jusqu'à la scène. Roulez ! Non, je veux dire la vérité. Aïe. Non, mais non ! Je sais où te plaît, vas-y, roule. Non, mais roule. Attrape-le, attrape-le. Attrape-le. Il a sauté sur le trou du cul. J'ai 1 milliard de QI, mais vous pouvez pas le comprendre en fait. Vous comprendrez dans 10 ans, malheureusement. Vos gosses regarderont mes best-of. Et eux ils comprendront. Ça y'a plus personne, vas-y monte. Allez, d'ailleurs à cause de toi ils sont tous en train de se faire chasser. Voir vos petits enfants peut-être. Mais pourquoi tu veux dire la vérité? Regarde. C'est Vertigo, il m'a dit la vérité. Vertigo monte. Ah, y'a pas Miguel. On est juste en haut. Si, je suis là. Attends, pour de vrai non? De quoi pour de vrai? Mais je connais pas le dernier moi. Mais non, il nous chasse pas là. On va voir tout de suite. Mais je t'ai dit, il nous chasse pas. Je pense que c'est bon. Mais on fait quoi pour Vertigo? Ah, si. J'ai crevé le pneu. Quoi? Si, il nous chasse. Vous voulez conduire? Bon, comme tu veux, si t'as envie de conduire, je te laisse conduire, sinon je les sème. Vas-y, c'est bon. Mais en fait, lui, il veut dire la vérité. Tu manges ou pas? Là, je viens de finir de manger là. Bah, c'est comme tu veux. Soit tu veux prendre le relais. Vas-y, donne. Non, vas-y, je sens que ça te fait plaisir. Arrête. Ouh. Non, vas-y, conduis. Ok. Oh là là là. Bon, qui conduit et qui mange? C'est moi, j'ai fini de manger. Ok, parfait. Mais en fait, on est dans Mario là, en fait. Oui. Monsieur Morin. Tu sais que si un jour ça pourrait marcher vraiment, ça, c'est incroyable. Les fans dans les fumigènes. Mais tu te rappelles pas une fois on a fait ça avec les chats? Quoi? À Los Santos. Mais regarde, je les balance loin devant et toi tu passes dedans et tu fais des trucs. Mais faut mettre devant alors. Attends, je mets de loin devant. Mais faut que t'ailles tout droit aussi un peu. Ah mais ça met du temps à craquer je crois. Bah oui, c'est ça en fait. Au pire ils vont faire quoi? Mais oui, je sais même pas pourquoi on me poursuit. Attends, arrête-toi, bah oui, vite fait. Bah ouais, bah arrête-toi, en fait, ils vont faire quoi? Mais pourquoi vous nous poursuivez? Bah parce que t'as avoué que t'as fait un braquage de banque, imbécile. Ah. Connard! Merci. Allez. C'est vrai, mais non. C'est ça. Oula. Oh, oula. New Jersey. Allez, Louis, sème-les. Le dernier, comment on fait pour semer des gens à le dernier? Parce que là, Louis, dit peut-être tu me vends ta conduite là, tu me fais le crack. Oh, c'est Lazaro? Oui, non, non, c'est pas. Ça va, Lazaro? Ça va, toi, Romano? Pourquoi tu étais pas au braquage? Ok. Bah, il était là, bah, je faisais une voiture. Sur le pont Manhattan, New Jersey, là.
J'étais en bas. Oh là là. Quoi? Quoi y'a ça? Y'a des flics en train de nous braquer à droite. Ah merde. On prend à droite, on va sur le périph. J'appelle Vertugo. Oui, Vertugo. Tu es où? Voiture de Poyos. Tu te fais poursuivre? Non, je suis avec eux, je suis à l'arrière. Non, c'est fait poursuivre. Demande-lui où il est, s'il te plaît. Tu es où? On va faire un truc trop stylé. Attends, j'appelle Gato. Je suis à côté de nous, tranquille, je vais au commissariat et je veux dire qu'on a pas fait de braquage. Ah, tu t'es fait arrêter? Bah oui, je sais pas pourquoi tu fais le bandeur de gangster alors qu'on a rien fait. Ils vous suivent là, les flics? Pourquoi tu fais ça, Miguel? Allô? Mais si, on a braqué! Allô? Ah, okay. Hein, Miguel? Oui? Viens, on fait le truc qu'on a dit tout à l'heure au même endroit. Un bandeur de gangster, on a pas fait de braquage, nous, Miguel! Mais si, on a fait un braquage! Miguel? Oui? Pas voir. Eh, mais y'a deux coachés maintenant. Oui? Y'a la banalité. Allô, Vertutu? On a fait quoi tout à l'heure? À quel moment? Tu m'inventes un braquage. Avant ou après le braquage? Nique ta mère. Attention, on va passer. Je suis actuellement en course poursuite. Ah, il y a un truc derrière toi. Ah, il y en a un qui est mort. Ça explose. Moins un. Ok, il y a des smokes. Ouais, ouais, mise en plein là. Oh, si ça pouvait péter maintenant. Oh, c'est incroyable. Maintenant. Oh. Il nous voit quand même, hein. T'es armé là ou pas, Miguel? Oui, j'ai de pétard. Oh là là. Putain. Et s'ils me suivent pas d'assez près. Oh. Pourquoi il est fini? T'as de l'essence, Louis? Non. Je pense que ça les gêne un minimum quand même, c'est sûr, un peu. Attends, rapproche-toi de eux. Ça vous gêne un petit peu les smokes ou pas du tout? Non. Merde. Bon, on va continuer à tourner à gauche. Hein. Mais en fait, là, il y en a deux, là, on est baisé. Je préfère te prévenir. Est-ce que je connais un truc ici? Attention. Et sinon, tu sais que tu peux rentrer, hein, tu peux changer d'île, tu sais, il y a des ponts. En 2022, il y a des ponts. Mais t'as vu, j'ai réfléchi à un truc que j'ai vu qui est sur TikTok. Et QS? Ouais, mais est-ce qu'il en a fait ici? Oui, il en a fait ici, oui. Ah ouais? Mais ouais, il en fait avec des camions, tu crois, il en fait pas avec des voitures ou quoi? Oh! C'est passé? Pas mal. Voilà, éteint une. C'est encore là, quoi. Bah, elle va te récupérer ici, quoi, c'est trop con. Oh, pas mal. Oui, pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok, ok. Non, il l'a récupéré. Si, on a baisé toi, Romano. Aïe, non, non, arrête. T'es bien con, toi, putain. Aïe. On les a sur notre position, ils ont fait un dessin. Ah, mais de toute façon, ils veulent que Miguel. Ils veulent que Miguel. C'est bon, je me rends. Vous êtes sûr? Oui, je me rends. Ta mère, codard. Non, mais j'ai raconté. Arrête! Merde. Arrêtez! Ah, merde. Arrêtez! Bon. Monsieur a raconté, ça suffit les conneries là, hein. Mais putain. Non, merde! C'est beau, Miguel. Arrête! Je strafe! Non, mais qu'est-ce qu'il faisait là, sérieux? J'étais si près du but! Du coup, vous aviez des informations pour sur le. Mais moi j'ai une question pour toi. Oui, bonjour Ace. Est-ce que t'as tiré sur un drone? Ouais, c'est ça. Oh, oui, ce que je viens de dire. Ah, ok. Il y avait vraiment un drone qui me regardait pendant que j'étais en calbar. Pas de soucis. Okay. Du coup, vous aviez des informations pour la prise d'otage, là, le braquage de banque? Non. Ok, moi, ce qu'on m'a dit. Vous êtes là pourquoi, du coup, vu qu'on vous a convoqué. Vous savez pas. Faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis une gangster. D'accord. Un gangster qui revendique quelque chose? Oui, les Vagos. Vous êtes. Ça fait pas longtemps que vous êtes en ville, les Vagos? Je suis en ville. Ah, les Vagos?
Oui. Oui, ça fait quelques semaines, oui. Et vous, vous étiez là avant, c'est ça? Oui, moi, il était un 18. En gros, j'étais un Vagos, après j'étais un 18, après je suis redevenu un Vagos. Vous avez pas fait un tour par les personnes de Nord-Sud là-haut? Si, oui, chez les SMM, oui, aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le réfet des SMM, je l'ai su sortir en prison, du coup, il est redevable. Okay. Et donc, c'est quoi votre activité principale en tant que gangster? C'est une question de piège, ça, hein. Tu crois que c'est la première fois qu'on me pose des questions? Tu crois que je suis pas un expert en interrogatoire? Ah, mais arrêtez de fermer les portes. Bonjour, madame. Bonsoir. Ouh, tu as de bonne humeur? Oui. Super. Donc vous voulez pas répondre à la question, c'est bien ça? Ben, je vends du crack, je vole des voitures, je braque des épiceries, je fais des trucs comme ça, quoi. Je raquette des gens. Oula, mais c'est un fifrelin, le petit. Un fifrelin, c'est quoi un fifrelin? Un voyou. Je suis un gangster. Un gangster. Gangster. Et vous êtes qui au sein des Vagos? Vous avez une place, quelque chose? Oui, je suis le numéro 2. Donc le bras droit. Oui. Et le numéro 1, c'est qui? C'est Val2Go. Val2Go. Oui. Vous connaissez une petite Marie? Mira? Marie, ouais, une enfant. Ah, Marie, la gosse? Ouais, c'est ça, la petite. Oui, oui, je la connais, oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des informations? Elle aurait été amenée par des messieurs pour jouer sur une prise, jouer au preneur d'otage. Non, jouer à l'otage, c'est plutôt ça. Ouais. Jouer à l'otage. Alors, une voiture jaune et la personne aurait dit Montar. Ouais, c'est ça. Une voiture jaune et la personne disait Montar. Non. Elle connaît un Vertugo, j'imagine que. Je crois que ça me dit rien, je crois. Vous connaissez pas de Marie, okay. Je connais une Marie. Oui, vous connaissez une Marie, mais vous voyez pas le rapport avec. Non, je connais pas. C'est pas vous qui avez vous proposé de jouer à l'otage. C'est pas de mon genre de dire Montar. Vous pouvez dire du coup monter s'il vous plaît. Montar. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas la même intonation, c'est vrai. Je sais même pas quoi vous poser comme question parce que je sais pas pourquoi vous êtes là. Il faudrait demander à Ace peut-être. Ouais, je vais demander, j'arrive. Oui. Comment vous avez eu le canon à eau là qui est chez vous? Il y a eu des centres de Poyos et on l'a volé. Et il y a personne qui s'en est rendu compte. Des Poyos? Ouais, de chez nous, il y en a personne. Il y a personne qui est venu le récupérer. Bah, ils ont essayé, mais on les a niqués. Et vous les avez niqués comment? En leur balançant des cocktails Molotov. Ok. Ça marche. Et. Ok, ça marche. Je m'en bats les couilles, tu crèves dans la semaine. Cousin. Et pourquoi tu fais seulement d'écrire? Tu n'as même pas de stylo? Si, j'ai un stylo, regarde. Non, tu n'as même pas de stylo? Bah, si, regarde là. Non, tu n'as pas de stylo? Si, regarde bien. Non, je suis ferme, tu n'as pas de stylo? Si, t'as sûr que j'ai un stylo. Non? Ça doit être tes lunettes qui font ça. Ouais, enlève peut-être tes lunettes, tu verras peut-être mieux. Ok, peut-être. Ok, parfait. Donc vous avez dit à Ace que vous étiez sur le braquage, c'est bien ça? Vous l'avez revendiqué? Oui. D'accord. Vous êtes fait combien grâce à ce braquage? C'est pas vrai. Je n'ai pas fait le braquage. J'ai dit ça car je suis un bandeur de gangsters. Donc vous n'étiez pas sur le braquage. C'était juste histoire de vous faire une street cred. Je n'étais pas sur le braquage. J'ai dit ça car je voulais être un bandeur de gangsters. Donc vous êtes un bandeur de gangsters, vous n'êtes pas un gangster? Si, je suis un gangster. On ne peut pas être un gangster et à la fois un gangster. C'est soit on est l'un, soit on est l'autre. Je suis un gangster. D'accord. Donc vous n'êtes pas un bandeur de gangsters? Moi je pense pas que c'en est un. Si, bien sûr que je suis un gangster. Là actuellement, vous dites que vous êtes un bandeur de gangsters, donc vous ne pouvez pas être un gangster et un bandeur de gangsters, ça va pas ensemble. Je suis les deux. Pour l'un, soit l'autre. Je suis un gangster qui bande sur des gangsters. Donc un petit gangster du coup. Vous bandez sur les grands gangsters? Non, je bande sur tous les gangsters. Et vous du coup, vous n'êtes pas un violent, vous c'est vraiment les petits délits quoi. Non, moi c'est les gros crimes et tout.
Quel type de gros crime du coup? Braquage de banque, tout ça. Et vous avez déjà fait des braquages de banque? Oui, j'en ai déjà fait, oui. Quand ça? Pas ce soir en tout cas, car je n'ai pas vraiment braqué la banque, j'ai dit ça uniquement car j'étais un bandeur de gangsters. Donc vous n'êtes pas un braqueur de banque? Pas ce soir en tout cas. Vous avez braqué quelle banque du coup? Quand ça? Je sais pas, quand vous en avez braqué une, vu que vous êtes un braqueur de banque. Vous avez... J'ai braqué la plus grosse banque de Liberty City. Vous avez braqué la banque de Liberty City, c'est ça? Oui. Quand ça? Il y a 2 ans, je pense. 2 ans? Oui. Il y a régulièrement épicerie. Et vous avez été jugé pour ça? Oui. Vous avez purgé votre peine, j'imagine. Oui, oui, je me suis fait juger pour ça, oui. Vous avez une idée de qui peuvent être les gros gangsters qui ont fait ce braquage de banque? Parce qu'ils devaient être bien organisés et très dangereux. Je l'exprime de me piquer dans mon ego. Non, il n'y a pas d'idée. Moi, j'ai juste dit ça car je suis un bandeur de gangsters. Donc, vous n'êtes pas un gros gangster, quoi. Bah, peut-être à l'époque, mais... Je suis le plus grand gangster de cette putain de ville, connard. Il y a des gens qui font des braquages de banque pendant que vous voulez des véhicules. Donc je me dis que c'est plutôt eux les plus gros gangsters. Tu marques un point. Mais c'est quand même moi le plus gros gangster. Ah, pour vous, pas pour les autres. En fait. Après, pour moi dans ma tête, je suis le roi du monde, mais c'est pas le cas malheureusement. Arrête de vouloir me piquer, arrête. Non, mais... C'est en train de marcher. Non mais c'est un petit mec quoi, c'est juste un bandeur quoi. C'est ça, c'est juste un bandeur de banque. Non, je suis un vrai gangster. Je suis un vrai gangster. C'est un bandeur de gangster. Non, ah, oui, mais je... Attends, qui le collègue ou la personne non, en face? Non, le en face. Ah, okay. Non, je suis un vrai gangster. Mais non, regarde, il fait croire encore. Vous êtes juste fan. Il avait une tête toute pipou et tout. Qui, moi? Ouais. Moi j'ai une tête pipou, moi. Oui. Quoi? Ouais, tout pipou. Merde, tu es sérieuse? J'ai une vraie tête de gangster. Vous avez des joues petites rouges, on dirait que votre grand-mère a dû forcer les joues tous les matins. C'est ça. Non, c'est pas le cas. On m'a brûlé, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Vous avez un peu bégayé. Oui, c'est normal, je suis une blédard, connard. De raciste. Ah, vous êtes un blédard? Oui. Un blédard, gangster, bandeur de... De gangster, oui. Pas gangster, bandeur de gangster. Non, je suis les deux. Non, que le bandeur de gangster. Je vais mettre ça sur le rapport. Vendeur de gangsters. C'est comme être policier et être criminel, c'est pas pareil, c'est pas possible. Ça a rien à voir, tu peux être policier et être un vendeur de policier, hein. Bah non. Tu t'es niqué tout seul, non. La trou de balle. Comme les gangsters et les... Bah si, tu peux être un policier, vendeur de policier. Mais bien sûr que non, si. C'est impossible, non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, tu peux. Bien sûr que si, tu peux, c'est obligeard. Si. Non, ça s'appelle un bandeur de policier. Si. Tu peux être bandeur, mais de l'état-major. Non, tu peux aussi être un bandeur d'officier en étant d'état-major. Si. Non, pas du tout. Si, tu peux être de l'état-major en avoir une marque des bureaux et d'être un bandeur des officiers qui sont sur le terrain. Mais baïonné. Non, parce qu'en fait, je peux pas être jaloux de ce que j'ai déjà. Bah si, parce que imagine, tu es général et tu en as marre d'être dans les bureaux. Du coup, tu vas envier les autres qui sont sur le terrain. Et du coup, si tu vas être. Si on est en général, on n'est pas sur. J'en sais rien, moi, connasse, je suis pas policière. Je suis une gangster. En tout cas, quand on a une carrière de policier. Attendez, outrage d'argent, il m'a traité de connasse. Oui, je le fais encore, connasse. On essaye de monter le plus haut possible dans notre carrière. Donc, on peut pas être bandeur de. À part si c'est pour. Bien sûr que si, tu peux, bien sûr que si. Parce que c'est les petits maillons de la chaîne qui font tout le travail. C'est ce que je dis, vous pouvez être bandeur. Pendant que toi, tu fais les interrogatoires, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui se sacrifient pour toi, connard, d'où un bon à rien. Après, vous pouvez être bandeur, mais du coup, de criminels plus gros que vous. Ça, oui, d'accord. Mais il n'y a pas plus gros criminel que moi, c'est moi le plus gros. Ah non, c'est non, pas non. Possible. Avec une tête si timide comme moins, ça. Mais je suis pas timide. J'ai au moins envoyé 10 personnes à Aldernay. Pendant que là, vous étiez en train de voler des véhicules, il y a des personnes qui sont évadées d'Aldernay. Donc vous pouvez pas me dire que vous êtes le plus gros criminel de la ville. Non, pas criminel, gangster. Ouais, le plus gros gangster même. Le plus gros gangster, il y a des gangsters qui viennent de s'évader. Quelle est la différence entre gangster et criminel pour vous? Les gangsters, ils appartiennent à un gang. Les criminels, ils appartiennent au crime. Donc vous êtes juste un gros gangster, mais pas un criminel.
Je suis un gros gangster. Soit, vous êtes en vrai, pour être un gros gangster, faut quand même être un sacré criminel. Bah ouais. Où est-ce que tu veux en venir, connard? Je veux en venir que du coup, je pense pas que vous soyez un gros gangster, étant donné que vos principales activités, c'est des braquages de supérettes et de banques. Des vols de véhicules. Ouais, de banques, il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans, vous étiez un gros criminel. Mais non, c'était pas il y a 2 ans, même plus récemment. Quand ouais, ça plus récemment qu'à ça. Je sais pas, mais pas ce soir en tout cas, car j'ai dit ça uniquement car je suis un bandeur de gangsters. D'accord, donc vous êtes un bandeur de gangsters et pas un gros gangster. Vous êtes nique ta mère gangster. Mais ce mec ne ferait jamais un braquage, hein, par contre. Ah, ça vraiment. Ça se voit, il a pas les épaules. Ah, mais vraiment. Il a vraiment pas les épaules. J'ai déjà vu des braqueurs de banque et ça ressemble pas à ça. C'est peut-être le plus gros menteur de Liberty. Ah oui. Ah, ça, j'y crois. Je ne mens jamais. Oui, Ace, ça va, ils essayent de me cuisiner. Mais en fait, Ace, je t'explique. Depuis tout à l'heure, il nous dit que c'est le plus gros gangster de la ville. Mais qu'à la fois, c'est un bandeur de gangster. Du coup, je lui explique. Oui, je suis un bandeur de gangster. Pas être bandeur de gangster et être le plus gros. Je dis ça uniquement car je suis un bandeur de gangster. Il était où? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai dit ça uniquement car je suis un bandeur de gangster. Tu n'es pas un bandeur de gangster, t'es au courant? Si, je suis un bandeur de gangster. Tu bandes sur qui? Les gangsters. Ouais, mec, il y en a bien en particulier. Les gangsters, gros, tous. Ceux qui sont plus haut que lui, du coup. Non, même ceux qui sont plus bas, tous. Je bande. Donc il y a bien des gangsters plus haut que toi? Et je suppose, oui, peut-être à San Francisco ou à Chicago. Non, mais je veux dire, t'as été mis au courant d'un certain braquage ou un truc dans le genre? Non, il n'est pas été au courant d'un certain braquage. Vertugo, est-ce qu'il est au courant de ce braquage? Je n'en sais rien si Vertugo est au courant de ce braquage. Il a quoi? Vous êtes sûr que vous avez chopé le bon migou là? J'ai l'impression d'avoir un robot en face de moi. Mais je sais pas, depuis tout à l'heure, il essaye de nous faire croire que c'est le plus gros gangster de la ville, mais que ses principales activités, c'est le véhicule et. Un gros gangster, ouais, lui aussi. Dis-lui que je suis un gros gangster, s'il te plaît. Bah, en fait, comme je l'ai dit, il y a peut-être je y a dis 200. Que si tu me dis la vérité. Oui, comme je. Tu m'as dit devant. Oui, je te dis la vérité. Non, la vraie vérité, pas la vraie vérité. la vérité, vérité. Je crois que dès que Figolimon, je vais le faire parler comme as. Oui, c'est la vérité. Non, tu vois, tu mens. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui a fait le braquage et avec qui tu étais? Je n'ai pas fait le braquage, j'ai dit ça uniquement car j'étais un bandeur de gangster. Un bandeur de cité, ouais. Let's go. Bon, mais au pire, c'est. Pas un bouton reboot, non? Au pire, comme je te disais, hey, ça n'a pas l'air d'être un violent, je pense pas qu'il soit problématique. Hein. Peut-être il y a 2 ans, il a fait un braquage de banque, mais actuellement, il a pas les épaules, ça se voit. Bouge pas, attends. Arrête de me tripoter, je vais bandeur. Si je tourne son petit collier là, rien du tout. Oui, tourne. Non, je pense pas que ce soit un violent. Je pense pas que... Et il y a une arme qui a été récupérée sur lui, c'est ça? Ouais, apparemment. Il a tiré sur un drone. Mais oui. D'ailleurs, comment t'as eu cette arme? Ouais, j'ai posé la question et apparemment, ils ont pété un convoi de police et ils l'ont récupéré. Ah bon? C'est bien ça? Qui t'a dit ça? Ah bah, Vertugo, il a dit ça. C'est pas vrai. Il a dit que pendant que t'étais en vacances, il en a profité pour péter des convois de police. C'est pas vrai, tu me manipules. Quoi? Tu me manipules, c'est pas vrai, il t'a pas dit ça. Il m'a dit ça. Jure? Voilà. Je te jure. Non, c'est pas vrai, tu as mis trop de temps, juré. Bon, moi je t'ai dit la vérité, non, c'est pas ça. Apparemment, il a chopé en se promenant, il l'a trouvé par terre. Oui. Comme tous les gangsters, apparemment, ici. Non, moi je l'ai pas trouvé par terre. Tu l'as vu laquelle? Hein. T'aimerais savoir, hein? T'aimerais, hein? Bah, bien sûr, j'aimerais savoir. Je l'ai volé à Vertugo. C'est Vertugo qui avait cette arme? Oui. C'est bizarre, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. De quoi? Il t'a dit quoi, lui? Il m'a dit que tu l'avais pété un Hoover. Ah bon? Il va falloir se mettre d'accord sur les... Hein, ah oui, c'est vrai, on l'a pété un Hoover, c'est vrai, oui. Ah, terrible. C'est vrai, donc, c'est vrai. Ouais, oui. Donc vous l'avez pété avec un Hoover? Oui. Du coup, après les Hoover, ils se sont vengés. C'est ça. Ils ont fait le braquage de banque en se faisant passer pour vous. C'est ça? Oui, c'est ça. T'as dit oui? Oui, c'est ça. C'est bizarre, c'est pas un oui. Oui, non, oui, oui, c'est oui. Oui. En même temps, c'était sûr que c'était pas lui qui avait fait le braquage. Hein. Ouais. Ta gueule, connard. C'est les Hoover, les. Non, mais c'est plus grand gangster, hein, les Hoover. Donc, ouais, c'est les Hoover les plus gros gangsters de la ville. Okay.
Donc je sais sur qui tu bandes du coup, c'est tu bandes sur les ouverts. Non, je bande pas sur les ouverts, arrête. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai des contacts avec des ouverts. Non, c'est pas vrai, je bande pas sur les ouverts, c'est mes pires ennemis, je les déteste ces connards. Bon radio, on va faire une descente chez les ouverts. C'est pas vrai. Potentiellement fait le braquage de banque. Tu as dit off radio tout à l'heure. Je sais que tu mens, tu n'as pas parlé dans la radio. Ah, demandez aux collègues si j'ai parlé radio. Si je confirme, il a bien répondu. Oui, mais vous mentez tous, vous êtes en coalition. Oui, on va préparer les véhicules à l'avant. C'est pas vrai. Les riots. Tu veux que je fasse un FaceTime avec un ouvreur, que je lui dise que t'es fan? Nique ta mère, fais pas ça. C'est toi qui conduis la roseuse. Arrête de mentir. Ok, c'est vrai, c'est nous, on a fait le braquage, c'est nous. Et ben voilà. C'est vrai. Mais il y avait pas Vertugo. Il n'y avait pas Vertugo. Non, il y avait pas Vertugo. Il y avait qui? Il y avait moi. Toi tout seul. Oui, tout seul. Moi tout seul, oui. Pourquoi t'as mentionné Vertugo? T'as dit quoi? Pour lui donner un peu de hype et de respect, mais il a rien fait lui. Donc il était bien dans le quartier, en train de shooter sur un drone. Oui. Ok. Vous avez... Comment s'est procédé le braquage? Ben, je suis rentré dans la banque. Il a dit couchard vous. Et j'ai jeté. Vous aviez déjà les otages quand t'es arrivé? Oui, c'est moi qui ai récupéré les otages. Moi, je parle du moment où vous avez mis en place le braquage. Dès que le plan s'est mis en route. Moi, j'ai récupéré les otages. Ils font ça à la banque. Je suis braqué la banque et je suis ressorti. Miguel? Oui, tu m'entends là? Oui, j'entends. Mais t'as eu un souci. Ah, j'ai dit, il a récupéré les otages, je suis rentré dans la banque, il a braqué la banque et je suis reparti. Ok, et pourquoi il y avait autant de véhicules pour faire diversion? C'était qui tout ça? C'était... Il est ouvert? Des clochards. Des clochards? Oui. Ok, donc t'étais seul au nom des Vagos à braquer la banque? Oui. Ouais, c'était que des clochards? Oui. Vous avez fait combien sur le braquage de banque? Fourchette. Je sais pas comptar. C'est pas comptar? Non. Et c'est toi du coup la tête du braquage de banque? Oui, je suis la tête pensante parce que je suis le plus gros gangster de cette ville. Je te l'avais dit, connard. Tu m'as pas... Ah bah oui, là. Tu m'as sous-estimé, hein. Là, c'est évident. T'as vu? J'ai mal pour la table, là. Là, c'est évident. Eh oui. Je plains les autres criminels de la ville. Ah là, vraiment. En voyant. Un braquage, t'as peur. Un braquage, t'as peur, hein. Ouais. T'as vu le plan plein de voitures dispersées? Ça, ouais, par contre, je vais pas te le cacher, j'ai été surpris. Hein. Ça sort de mon tête! Mais par contre? Non, c'est pas vrai, ça sort pas de mon tête, c'est le plan de l'Orio, ça, pour de vrai. C'était bien des sultans, les voitures. Oui, des sultans, oui, comme en 2019. Ça fait longtemps, l'Orio. Donc, c'était pas des clochards? Enfin, c'était un clochard qui s'appelait l'Orio, c'est ça? Non, l'Orio, il m'a donné. Vertugo. Non. C'est qui Mango? Mango? T'as dit vous Mango, ouais, Mango, ou je suis en truc de. L'Orio? L'Orio, Vertugo, il y a un autre. Oui, l'Orio. L'Orio, c'est qui pour toi l'Orio? C'est un petit soldat du barrio. Okay. Un petit soldat? Oui. Donc c'est toi le grand chef, grand Manitou? Je suis le numéro 2. Non, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2, c'est qui? T'es qui du coup numéro 1? C'est Vertugo, il nous a dit tout à l'heure. Ok. Vertugo, il était au-dessus de toi. Ensuite, il y avait toi. Oui. Ensuite, il y avait les petits clochards et après, il y avait l'Orio. Oui. Ok. Mais comment ça se fait que c'est l'Orio qui a eu l'idée de disperser les voitures vu que c'était toi la tête passante? Lui c'était qu'un petit... Toi il t'aime pas toi. Il a raison. Lui je l'aime pas. Quoi? On comprend pas tout quand tu parles. J'ai dit lui je l'aime pas. Lequel? Lui avec la chemise là. Et la chemise? Elle est super sa chemise. Non il l'encule. Ma chemise. Tu manques. Du coup il y avait combien d'armes à l'intérieur? Je sais pas, il t'a dit, je sais pas compter. C'est pas compter? Non. Il y avait combien de personnes alors? Enfin, il y avait qui? Il y avait quelle arme? Je te demande pas de compter, je te demande qui avait quoi. Il y avait. On dirait que t'es aveugle. Il y avait Esteban et Armadillo. Ah, il recommence. Et. Ouais, donc des ouverts là, ce que des noms de ouais, sites là, les ouverts. Ouais, donc du coup, c'est qu'on fait tout le plan en fait. Donc, si j'ai bien compris, L'Orio, lui, c'était la tête pensante. Donc, il avait pas d'arme, j'imagine, vu que c'est lui qui a prévu tout le plan. Ouais, et après ils ont engagé des ouverts, donc les clochards c'est les ouvreurs. Okay. Les clochards c'est les hommes de main. Ils ont pris les voitures et ils les ont conduites. Ils bossent pour nous les ouverts. Donc si j'ai bien compris c'est l'Orio qui a fait tout le plan. Oui. Ils ont engagé des... Les ouverts. Pour faire tous les hommes de main, donc t'as servi à quoi toi? Moi? Donc, en soi le gros gangster c'est l'Orio vu que c'est lui qui a prévu le plan. Ah ouais du coup ouais. Bah oui. Mais qui a ouvert du coup. Oui mais là où est-ce que tu veux en venir là? Parce que là j'ai dit ce que j'avais à dire là.
Non, mais je reviens sur ce que tu disais, que c'était toi qui avais tout prévu, mais au final, c'est Lorio. Oui, voilà, c'est Lorio. Bah voilà, bah du coup, t'es quoi, du coup? C'est lui au-dessus de toi, parce que c'est un petit, du coup. Mais non, je suis numéro 2. C'est numéro 2, mais pourquoi c'est un petit au-dessus de toi? Et pourquoi il est pas au-dessus de moi? C'est juste que lui, c'est expert en braquage. Ah, ok. Tu comprends? C'est un petit expert en braquage, ok. C'est ça. C'est pas toi la tête pensante. Non, moi je suis numéro 2. Mais tu sers à quoi en tant que numéro 2? Toi, t'es l'exécutif. Genre, je fais le transport logistique. Donc c'est avec toi que j'ai changé l'argent, du coup? Oui, c'est avec moi que t'as changé l'argent, oui. Ok. Au moins, il confirme déjà qu'il était sur place. Ouais. Bah oui, je l'ai confirmé tout à l'heure, j'ai dit c'est moi qui braquais. Et c'est qui a pris l'argent après? C'est même moi qui ai ouvert avec la visseuse. Ah ok, donc c'est toi qui a fait le trou dans le coffre du coup? Oui, c'est moi. T'as pris combien? T'as pris combien à vue d'œil, il y avait combien dans le coffre? À peu près 19 000 je crois. Ah tu sais compter maintenant? Non, il me l'a dit. Ah il te l'a dit? Okay. C'est qui te l'a dit du coup? 19 000 c'est un peu... Un ouvert. Oui, c'était pas beaucoup, c'est pour ça qu'après on a demandé plus de plata sur les otages. Ah ok, ok, ouais, je comprends. Ok, ok. Du coup, Lorio petit du quartier, Lorio, oui. Du braquage. Oui. Ensuite, Miguel et pouvoir exécutif, c'est lui qui a échangé l'argent. C'est qui le technicien, ouais, c'est ça. Oui, c'est voilà. Le technicien, ouais, exactement. Ensuite, il y avait... Il y avait qui? Les ouverts. Il y avait Vertugo, il y avait Vertugo. Vertugo ouais, qui était qui est le chef, qui était là pour, ouais, qui était là pour décorer. Non, il n'y avait pas Vertugo. Il était où alors? Il était au barrio et tirait sur des drones. Ok, okay. Il y avait combien de drones? Parce que tu m'as dit avoir tiré sur un drone. Ça veut dire que tu l'as tiré dessus mais il est revenu après le braque. Je suppose que oui. Ok, y a, donc il y avait beaucoup de drones qui vous espionnaient quand même. Ben, il faut croire que le Mossad est sur nos côtes. Okay. Ouais, pour les drones, j'ai dit à Vertugo ce qu'il fallait faire. Parce que j'y ai parlé tout à l'heure. Du coup, ensuite, apparemment, on saura jamais. Du coup, les ouverts étaient missionnés. Ils ont attendu avec les voitures. Quand vous êtes passés, ils sont partis. Ils ont touché combien? On les a pas payés, on les a baisés. Ah ouais? Oui. Encore plus que vous leur voliez une arme, c'est vous leur voyez le respect, c'est ça? Exactement. Parce que c'est nous les plus gros gangsters de cette putain de ville, t'as compris? Ouais. Et j'ai une question. Oui. Comptez remettre ça un autre jour, un autre braquage? Bien sûr. Ah, t'as une date? Tu comptes braquer quoi? Moi, mon rêve, c'est de braquer la réserve de or. Ah, c'est compliqué ça. Je sais même pas où aller positionner. En vrai, c'est faisable, je pense. C'est mon rêve. Faut juste que tu vois avec Lorio. Lorio propre. Enfin, là, il vient de t'avouer un rêve que j'ai là. Ouais. Je me suis confié. Je sais qu'il entend bizarrement. Ouais, non, mais... Non, c'est vrai, apparemment, des fois, ouais. Je parle bizarre. Oui, t'as des petits moments où des fois, tu t'es coupé de parole. Genre, ouais, c'est bizarre. T'es sans mots. Ok. Du coup, super. Je disais quoi? Oui, j'ai dit, je me suis confié à vous. Braquage, ouais. Ah, super. Parfait. Super. On va aller de notre côté, on va continuer l'enquête. Et dès qu'on a besoin de toi, on va t'appeler. Enfin, juste que t'auras pas un pétard le jour où on t'appelle. J'en aurai probablement un. Mais merci à vous tous pour votre... Sauf lui connard. Au revoir. Au revoir Miguel. Hey Miguel. Oui. J'ai vu qu'il y avait tes collègues qui tractaient le buggy ramp. Pas de bêtises hein. D'accord, promis. Promets-le, je veux t'entendre, promis. Promesado. Ouais du coup. C'est pas promis. Alors trou de balle, tu es en prison ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes toi? T'es qui mec? Lui, c'est un plus toi, t'es qui toi? Toi Miguel, il s'est évadé de prison. Non, moi je me suis pas évadé, moi je suis parti les chercher. Toi tu es qui toi? T'es quel gangster? 718. C'est quoi ça encore 718? Il est pieds nus. Bah ouais, on m'a dit enlève tes chaussures. Wesh. Putain. Il y a du vomi par terre, c'est dégueulasse. Merde, pardonne. Je voulais pas te toucher à toi.